Dans quelques instants, c'est quoi qui dit Une émission en direct, présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux, administration, tutoriel, logiciel libre et astuces. Tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Et bah ouais, bon il fait beau, on va éviter de chanter, salut à tous, ici Adrien, ah vous l'attendiez cette petite intro, regarde donc, on est le mercredi 6 juillet 2022, déjà en juillet 2022, un truc de fou, hein, et ben qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui, hein, vous voyez, c'est écrit dans le titre, le C'est quoi qui dit numéro 58, c'est un truc de dingue, alors attendez, je vais remettre un petit peu de musique moi dans mes oreilles l'histoire d'être bien à l'aise. Voilà, regardez, oh la petite musique qui va bien. Génial. Normalement, vous l'entendez pas. C'est bon. Confirmez-moi que vous entendez pas sinon je vais avoir des gros problèmes avec les droits d'auteur. En tout cas, en attendant que vous me confirmiez tout ça, j'en profite pour saluer celles et ceux qui sont arrivés, à savoir Florent, Geoffroy, JR Dallas, LDV First, qui était déjà là depuis un petit moment, Mathieu, qui nous a trollé et fait un peu de politique, Monsieur B, Neo29, Olivier, Philippe, Réfractaire, Brickstorm, Zachary, qu'on a vu sur Telegram, JR Dallas, je crois que je t'ai pas dit bonjour, là, hop là, voilà, AMR61, yes, si vous entendez pas la zic, c'est parfait. Normalement. Là, c'est écrit audio du bureau. Ah, c'est grisé. Donc, normalement, vous n'entendez pas C'est parfait. Donc, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Bon, alors, salut, faux. On va attendre que tout le monde s'installe confortablement dans son petit canapé. Hein? Bon, c'est vrai que, salut Laurent, il fait beau, il fait beau. Donc, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé. Peut-être vous êtes un peu à la maison, en train de manger. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme d'habitude. Vous le savez, le replay sera là. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Hop, je vérifie juste que tous les réseaux sociaux sont coupés. C'est bon. Donc comme ça, on devrait être à peu près tranquille. Salut Pininformatique. Informatica. Ah ouais, t'étais arrivé bien avant. J'ai oublié de te saluer. <laughs> Storms, le petit coquin. Alors, hop là, regardez. Ce qu'on va faire. On va fermer ça. On va rouvrir ça. Ah, voilà. Regardez donc. Hop, on va rafraîchir ça. Et... Tada, ok. Voilà, c'est bon. Alors, on est ici sur la page YouTube. Vous avez vu, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. Salut, euh, BND System. Je ne me rappelle plus du prénom qui est derrière. Ça déconne dans le cerveau. Euh, j'ai pensé à vous. J'ai activé le thème sombre avant que vous me le demandiez. Comme ça, vos petits yeux sont au repos. C est, c est... Franchement, vous en trouverez des streamers comme ça qui, qui, qui ont mémorisé les choses et qui se disent, ah bah tiens on va prendre vraiment soin de ses viewers. Eh ouais. Attendez, on, on, on essaye de se, de se professionnaliser un petit peu quand même. Alors, de quoi quand on voit ta qu'on qu on, qu on va parler aujourd'hui Hein On va parler de quoi aujourd'hui Eh bien, on va parler plein de trucs. Alors, comme d'habitude, j'ai prévu des sujets sur lesquels on va discuter un peu ensemble. J'en ai pas prévu trop, puisque, comme à chaque fois, ça déborde. On va faire plus que deux heures. Bref, vous le savez, à force de me suivre, je suis une pipelette. Bon. Alors, euh, de quoi qu'on va parler euh, J'avais pensé déjà un truc, mais j'ai déjà oublié. Donc, c'est pas grave. On va, on va commencer. On va parler un tout petit peu. là On va parler un petit peu Proxmox. Juste au début, là, comme ça. Ouais, ouais, t'as vu, pensez aux yeux. On va parler un, un, un minuscule peu de Proxmox Backup Server. Vous savez, il y a deux... C'est quoi qui dit Donc épisode 56, on avait vu ensemble, euh, je ne sais plus ce qu'on avait vu ensemble sur Proxmox Backup Server. Le mois dernier, épisode 57, on avait refait en début de live un petit point sur le Proxmox Backup Server qui n'a pas bougé d'un pouce, vous voyez Enfin non, vous ne voyez pas. C'est en ligne depuis 62 jours, donc j'avais dû redémarrer euh, juste après le live il y a deux mois. Et donc là, on est euh, face au Proxmox Backup Server et donc on va voir au bout de... Deux mois l'évolution. Ouais, parce que ça a évolué. Vous savez, on avait dit que Proxmox Backup Server faisait des backups de machines virtuelles, etc. Donc je vous remontre rapidement comment c'est paramétré ici. Backup, édite. Il y a eu du changement, il y a eu des choses, ok Donc voilà, toutes les machines virtuelles qui sont sauvegardées. Hein. Donc les machines en 100 qui sont sur le VLAN, 121. Les machines en 200 sur le VLAN, 221. Pas toutes sont sauvegardées évidemment. Hop. Les machines 500-600 qui seront. 500, c'est pour moi. 600, c'est pour faire éventuellement des vidéos plus tard. Là, sur Proxmox, j'ai prévu le créneau 600. Pour ça. Donc on verra en temps et en heure. Et puis mes templates qui sont, qui sont sauvegardés. Tiens, celui-là, il n'est pas sauvegardé. Je le corrige. Donc on a tout ça qui est sauvegardé. Tous les jours à 1h du matin. Et donc, forcément, tous les jours à 1h du matin, vu que notre ami euh, Proxmox Backup Server est sur la même machine que Proxmox Virtual Environment, vu que j'ai qu'une seule machine, et ben quand on va dans les graphes ici et qu'on se met sur par jour, et ben on voit que tous les jours à 3h, à 1h du matin, pff, charge énorme de, euh, du serveur, voilà, 70% de CPU. Donc là, cette nuit, il y a eu vraiment du CPU, un truc de fou. Euh, non, un tout petit peu de CPU par contre, et des IO, les hein, écritures, entrées-sorties. Donc ça c'est normal puisque ça écrit sur un disque HDD. Donc c'est là-dessus qu'il y a les sauvegardes. Ça prend son temps, vous voyez, ça, ça a dû prendre. Euh... Bah, c'est simple, hein. ça, ça a commencé à 1h du matin et ça a fini à 3h30. Donc ça prend son temps les sauvegardes, mais peu importe. On n'est pas pressé, c'est un disque mécanique, c'est pas très grave. Et là on voit qu'à 4h du matin, il y a la purge qui se met en route, et donc qui provoque quelques écritures ici. Donc forcément, la charge du serveur, elle prend un petit peu d'importance. Alors, ça, c'est pour la partie ce qui se passe. J'en profite pour saluer David qui m'écoute dans le train. Et donc là, hop, voilà, je pense aussi à vos yeux, on va grossir. Donc, au niveau de l'utilisation, donc ça fait deux mois que les VM sont sauvegardées, ça tourne, ça tourne, et donc on voit que le stockage il est utilisé à 25 et que l'estimation de quand mon stockage sera plein, bourré à craquer, c'est dans deux ans et 126 jours, donc ça nous laisse du temps. Alors si on revient rapidement sur le data store, backup, tac, voilà, les statistiques s'affichent, et donc on se rend compte que le facteur de déduplication, c'était ça l'intérêt de Proxmox Backup Server, c'était la déduplication. Salut Timothée et bienvenue. Salut Mega octet yeah Donc voilà, la déduplication, c'est l'intérêt de Proxmox Backup Server. Et donc on voit qu'au bout de deux mois, au bout de deux mois, on a six conteneurs qui sont sauvegardés. Alors il n'y a pas grand chose hein, sur les conteneurs. 28 VM. Et tout ça. Il y a un facteur de déduplication de 60, ce qui veut dire que ça prend 60 fois moins de place que euh, si on faisait des sauvegardes complètes à chaque fois. Voilà. Donc euh, l'évolution du stockage ressemble à ça. Si je vous le mets sur le mois, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà quoi ça ressemble. On voit qu'il y a des, des pics de temps en temps, puis ça redescend. Okay. Il y a de l'épuration qui se fait à un moment donné. Donc ici il y a de l'épuration qui a dû se faire, ou j'ai supprimé une machine, ou euh, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, salut Codmi, bienvenue. Donc là on voit quand même que le stockage augmente un petit peu, mais pas non plus. Euh, voilà, hop, donc, on a commencé comme ça, Chut, ça a augmenté, hop. Donc là à chaque fois ça monte parce qu'il y a les totales chaque mois, hein donc ça va monter un peu, mais ça se déduplique. Vous voyez, là il y a la totale et à mon avis là il y a la dédupe qui arrive après. Donc voilà à quoi ça ressemble sur l'année. Donc pas grand chose, on verra dans un an ce que ça donnera. Mais c'est bien d'avoir ce, euh, ce petit retour quand même de, de où est-ce que ça en est. Et donc au niveau du contenu. Hop, voilà. Donc je vous rappelle que ça avait été euh, paramétré ainsi. Salut Slepnir. 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 J'ai arrivé. Salut Slepnir. Premier coup. Voilà, donc j'avais dit je garde 7 jours. Donc je garde les 7 derniers jours, ensuite je garde un point par semaine pendant 4 semaines, puis je garde un point par mois pendant 12 mois et je garde un point par année pendant 2 ans. Donc euh, on pourra estimer à peu près qu'au bout de 2 ans, l'utilisation du, du backup se stabilise. Bon, voilà, et donc on a euh, l'épuration qui se fait à 4h du matin. J'avais activé, vous vous rappelez euh, pendant le dernier live, j'avais activé ici le verify job euh, si ma mémoire bonne où on revérifiait tous les 30 jours l'intégralité des euh, backups. Bah ouais. Et donc, si je vais dans le contenu, par exemple, là je prends mon conteneur numéro 100, c'est le premier que j'ai créé, c'est le routeur. Bah vous voyez ici que c'est très rigolo parce qu'on est le 6 juillet, donc probablement celui-là il va se vérifier ce soir. voyez Le 6 juin, le 5 juin. Celui-là, il a été fait, mais il n'a pas été vérifié depuis 30 jours. Par contre, celui du 29 mai, il a été vérifié il y a moins de 30 jours. Ouais, ça a été vérifié le 1er juillet. Voilà, donc tous les premiers du mois, il vérifie euh, tout ce qui a plus de 30 jours. Donc celui-là, il sera vérifié le 1er août. Voilà. Donc là, on voit, hop, si je vais sur d'autres conteneurs, qu'est-ce qu'on a de beau Ouais, ben bah, voilà, à chaque fois, il y a celui-là, celui du 5 juin qui n'est pas vérifié. Donc, ça c'est vraiment cool. Hop, je prends le chat, je vais lire les questions. Question B, c'est beaucoup utilisé en entreprise Proxmox parce que ça a l'air très complet. Je sais pas. Je sais pas si c'est utilisé. En tout cas, dans les deux euh, boîtes que j'ai faites, c'est que du VMware. Dans ma boîte précédente, c'était euh, VxRail, enfin VMware, euh, VxRail, la solution de Dell un petit peu. Euh, euh, comment dire modifié par Dell, solution de VMware modifiée par Dell qui, qui offre une petite surcouche assez sympa, euh, solution hyper convergée, et euh, dans la boîte où je suis, il y euh, a deux de, de systèmes, mais c'est toujours basé sur VMware. J'ai pas vu de Proxmox en entreprise, mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça, sachant que moi pour le lab ici, je l'utilise tout seul. Tout seul. Donc il euh, n'y a qu'une machine, il n'y a pas de cluster, il hein, y a un data center mais qu'avec un seul nœud. C'est juste parce que c'est ma petite machine euh, de, de labo pour, euh, pour faire mes VM, tester des trucs et tout ça, donc c'est pas critique. Par contre, vous voyez, j'ai prévu peut-être un jour, il y a un, deux, trois serveurs Proxmox avec un partage ici euh, sur NAS où chaque nœud a un stockage commun sur un as le but c'est de vous faire des vidéos peut-être sur de la haute dispo on en a parlé dans le live précédent j'ai toujours noté ce que ce que vous souhaitiez euh, ce que vous souhaitiez utiliser vous voyez j'ai toujours mon papier euh, perte d'un PVE voir comment fonctionne la ha la haute dispo voilà interface que sur un proxmox voilà. si on a un seul euh, nœud qui a une interface comment ça se passe bon voilà j'ai noté tout ça hein. voilà. j'ai noté tout ça donc c'est toujours là quand j'aurai un petit peu de temps pour, pour explorer comment fonctionne euh, Proxmox. En plus, là, c'est des Proxmox virtuels. Donc, l'avantage, c'est ça qui va être cool c'est que je vais pouvoir tester des trucs, faire un snapshot. Je fais un snapshot des trois machines. Je teste un truc, hop, et après, pour vous montrer en vidéo, je restaure les snapshots. Donc, on, on, on va voir comment faire ça, sachant que Proxmox, je ne connais pas plus que ça. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'approfondir Proxmox. Donc, ce sera l'occasion de regarder un petit peu comment ça va évoluer, sachant que si on va sur... Ah, les yeux Si on va sur le site de Linux Tricks, il va y avoir des changements. Hop, je reviens un petit peu sur Linux Tricks. J'en profite pour vous parler des changements. Dans la section Wiki, il y a eu un petit peu de changements. J'ai po... posté sur Twitter tout ça. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, en parlant de poster sur Twitter, j'ai pas mis mon post comme quoi on était en ligne. là. Hop là, je vais l'envoyer tout de suite. Voilà. Euh, donc oui, en... euh, j'ai posté sur Twitter, donc ça a un petit peu changé, le wiki. Ça un petit peu changé. Ici, vous voyez, euh, la section euh, « Utiliser Gentoo et Calculate Linux » a son logo sous forme de Gentoo, maintenant. La catégorie, elle est plutôt centrée sur Gentoo. Et ici, on va avoir... Euh, je... on va voir. Il y a une section dédiée à Calculate Linux. Ici, on aura tout ce qui concerne Gentoo. Et tout ce qui concerne exclusivement Calculate, ça va aller dans la section dédiée à Calculate Linux. Vous voyez, j'ai commencé à faire un petit peu de, de travaux là-dessus. J'avais commencé il y a déjà un moment, la section généralité Linux à trier les contenus ici, par thématique, hein, histoire de, de, de trier ce qui est service, commande de base, dans, pareil dans la dans l'optique de faire des, des trucs et des vidéos, commencer à... En gros, ce que je vais essayer de faire, c'est structurer correctement le site, produire des articles qui me serviront de base pour vous faire des vidéos. Voilà. Donc j'essaye de... de, de de réorganiser un peu le site entre temps donc ça me prend du temps et puis c'est des choses bon bah qui que vous voyez pas forcément sur YouTube il n'y a pas forcément trop d'interaction donc voilà euh, dans les chantiers il y a Fedora Red Hat et dérivés qui va falloir que je change le logo ou là euh, je divise la catégorie en trois Fedora Workstation et serveur donc tout ce qui concerne Fedora c'est là dedans uniquement Fedora Red Hat et dérivés version serveur c'est tout ce qui parle de Red Hat dérivés toute la partie serveur et puis Red Hat et dérivés version station de travail, c'est tout ce qui concerne le monde Red Hat ou les dérivés tels que Alma Linux, mais usage station de travail. Donc vous voyez les codecs, euh, installer d'autres environnements de bureau. Et puis ce qui est ici, bah, c'est ce qui concerne euh, tout. Voilà. Donc administrer sa machine avec cockpit, créer des RPM, ça c'est universel. Donc voilà, il n'y aura pas de partie Red Hat satellite euh, parce que ça va être compliqué pour moi j'ai changé euh, j'ai changé il n'y a pas très longtemps hein, de, de, de boulot là on, on est sur des sur, enfin, je travaille sur toute technologie que j'utilisais pas avant et je suis en attente quand même de l'accord de là où je travaille pour éventuellement euh, publier des scripts que je fais en anonymisant, en enlevant les adresses IP, les machins, les, et tout. Mais voilà, il y a des choses que je vais produire. Euh, et bon, on n'utilise pas euh, la partie satellite, Il c'est un autre système pour, euh, pour la partie euh, mise à jour et puis euh, gestion de licence, euh, tout ça. Mais je ne pense pas que je vais en parler parce que je ne sais pas trop comment en parler en anonymisant les trucs. C'est enfin, compliqué. C'est toujours cette partie-là où, où quand tu bosses quelque part, tu as quand même un droit de réserve. Tu, te, tu vois, à la limite, elle est, elle est complexe à, à définir. Donc pour le moment, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas trop prévu. Je vais voir comment je peux articuler parce qu'il y a des choses vraiment chouettes qui sont beaucoup plus intéressantes sur le fonctionnement de l'écosystème Red Hat par rapport à juste la licence développeur 16. Quoi. Donc c'est pour ça. On va repartir sur la partie euh, Red Hat quand même. D'ailleurs, c'est ce que je voulais en parler. Bah, je vais en parler maintenant. Ah, les yeux La playlist Red Hat, elle a commencé. Donc, même si euh, nous, on n'est pas en Red Hat euh, 9 pour le moment, c'est du 8. Je commence la playlist qui parle de Red Hat Enterprise Linux 9. On repart sur des bases euh, de Red Hat l'installation, l'enregistrement, les petits trucs bien sympas. Donc il y a déjà six vidéos qui sont prévues, il y en a trois qui sont enregistrées, les autres vont arriver. Et puis après on brodera autour de Red Hat, hein, puisque vous le savez, euh, j'avais commencé une liste de lecture informatique dans le monde professionnel que je n'ai jamais continuée. Alors même si la supervision n'utilise pas Abix, même si euh, l'outil ticketing n'utilise pas GLPI. Et que l'outil euh, de cloud, il euh, n'y a pas de nextcloud, je risque de faire une série en tout cas qui va parler de supervision avec Zabbix. Je vais essayer faire. Et donc il y aura, ce sera un, sur un support Red Hat, mais après dans l'histoire, que ce soit Red Hat ou euh, Alma Linux ou des dérivés pareils. On fera la partie GLPI, on fera la partie Nextcloud. On va essayer de faire plein de trucs sur cette plateforme virtuelle. Codmi, juste avant que tu partes, je réponds juste, j'héberge le site, le CMS, c'est PHP Boost. Et puis euh, j'héberge sur un VPS euh, chez l'hébergeur Yonos. Voilà. J'oublie ça vite fait, j'ai pas le temps de, de répondre à la question. Donc euh, voilà, je vais on va essayer de travailler sur la partie euh, REDAT. Comme ça, on va voir plein de trucs serveur web, moteur de base de données, NFS. Donc, on va essayer d'aller voir des trucs, faire des scripts d'automatisation pour sauvegarder les bases, des scripts pour sauvegarder les sites, etc. Donc. On va essayer de voir comment on peut organiser tout ça. Ce sera de l'informatique, mais euh, professionnelle, mais bon, avec des petits scripts quand même artisanaux, histoire de voir la partie scripting. Euh, je note juste le, le site PHP Boost. Ça s'écrit comme ça. PHP Boost. Voilà. Donc... Tu vois, j'ai changé de boulot, je retrouve un peu de motivation à, à rebosser dans la partie Linux puisque je suis vraiment euh, plus dans la partie Linux et moins généraliste. Donc ça me redonne un peu envie et de, de, de refaire du contenu. Donc ça devrait rebooster un petit peu euh, tout le travail qui était un peu en, en pause de ce côté-là. Donc voilà pour ça. Donc la partie sur Linux Strix, Fedora, Red Hat et dérivés, ça s'est réorganisé depuis que j'ai changé de boulot. Et euh, ici, donc là, il y a la section un peu fourre-tout qui s'appelle VMware Windows Server qui est là. Et donc même si on s'appelle Linux Tricks, j'ai noté sur un papier, j'ai vu où il est, que euh, voilà, il est là, le papier, que la section non, c'est pas ce papier-là, c'est pas celui-là, que la section VMware elle va un peu changer. Où est-ce que j'ai écrit ça C'est pas ça Attendez, c'est un peu le bordel des fois. Hein. Euh... Que je suis très papier, mais des fois. Ah voilà, c'est écrit là. Donc la section VMware Windows Server, elle va un petit peu changer. Ça veut dire que elle va être divisée en deux. Il y aura une partie Windows qui parlera, qui sera divisée en deux avec Windows client et Windows Server. parce que dedans ici, dans hors Linux, il y a des choses qui parlent de Windows. Quelques astuces Windows, Windows 10, Windows 7, etc. Donc une section Windows avec une sous-section serveur, une section client et Ici, la section VMware va se transformer en virtualisation. Et comme ça, il y aura des trucs dans VMware qui parleront de VMware et des trucs qui parleront de Proxmox. Donc, on va faire une section virtualisation à ce sujet. Et donc, vu que ça fait une section en plus, et puis que là, il commence à y avoir beaucoup de choses, pour garder un, une grille cohérente, et eh bien tout ce qui est dans la partie Cisco, vu que ça fait une belle lurette que je n'utilise plus de Cisco et que j'avais fait ces trucs-là euh, quand j'étais à l'école. Là, on apprenait sur Cisco, là, ça doit être des vieux trucs, là, 2013. Donc c'est des vieux trucs, donc tous les articles Cisco vont basculer dans euh, la section archives. Là, je vais faire un truc, euh, tous les trucs Cisco, je vais les mettre dedans. Et puis, euh, comme ça, ça va libérer et on remettra en avant que les trucs intéressants. Voilà. Et dans ma partie euh, nouveau poste, euh, je je me recentre sur l'administration système. Avant, si tu veux, j'étais directeur informatique euh, d'une boîte qui avait 250 utilisateurs à peu près. Donc j'étais sur la partie euh, infra, sur la partie serveur, virtualisation, euh, réseau, cyber, euh, sur la section euh, RGPD, ça c'était bien pénible, et puis sur du paramétrage euh, applicatif métier. Vu que je bossais dans un laboratoire de biologie médicale, euh, je m'occupais de paramétrer aussi toute la section microbiologie. Donc tu vois, si tu veux, j'avais un panel assez large, et donc j'ai voulu vraiment me recentrer sur l'administration système, ce qui m'intéresse quand même beaucoup plus. Et donc tout ce qui est RGPD, à la poubelle, enfin à la poubelle. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. Mais euh, voilà. Là maintenant, je fais de l'administration système à plein temps et ça me passionne beaucoup plus. Donc forcément, ce que je faisais avant, euh, 15% du temps, bah, je le fais à 100% du temps. Donc forcément, ça me donne un peu plus envie de, de repartir sur, euh, sur ce que j'aime faire finalement euh, côté informatique. Hein. Bah, tu vois, la microbiologie, j'ai appris énormément de trucs, mais c'est pas voilà quoi, pas c'est pas mon métier à la base. C'était très intéressant, mais bon, j'avais envie vraiment de me recentrer sur euh, sur l'admin système quoi. Pas trop de réseau finalement. Euh, section Fortinet, je, euh, avant on utilisait Fortinet. Euh, maintenant, là où je travaille, c'est pas du Fortinet, donc il euh, n'y aura pas de section Fortinet, forcément. Mais c'était... Par contre, c'était très intéressant de bosser avec des outils Fortinet. D'ailleurs, il y peut-être... Il euh, y en a peut-être un qui risque de passer là dans, dans le chat. Peut-être que Antonin, si vous voyez un Antonin euh, passer dans le chat. Lui, c'est un expert Fortinet. Il, il était euh, d'ailleurs... Euh, notre prestataire, quand j'étais dans mon ancien job euh, sur la partie Fortinet, il va peut-être nous faire un petit coucou aujourd'hui, je sais pas. S'il voit mon tweet, peut-être qu'il va arriver. Puis c'est là qu'il va dire salut. J'en profite pour saluer Jérôme, qui arrive, Christian, qui arrive, Karima, qui arrive. Et puis, j'en bah, rêve, qui est là depuis le début. Donc voilà un petit peu pour la partie Je raconte ma vie. Et vous voyez, il est 20h23. Ça fait 23 minutes et on n'a parlé que de ça. Voilà, donc je n'ai pas commencé à parler des sujets qui m'intéressent. Donc voilà un peu l'évolution, ce qui va être prévu, sachant que je vais avoir un peu de vacances quand même pendant l'été. L'été va être soutenu parce qu'il y a moins de monde au boulot, donc il y a plus de, de besoins. Et moi je vais avoir un petit peu de vacances, mais je pense que je vais décrocher pendant les vacances. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Euh, voilà, donc pour la partie site. D'ailleurs, je, je vous rappelle, il hein, y a toujours les flux RSS, hein, si vous voulez être au courant, il y a le, le flux RSS, wiki, blog, il ne sert pas à bien grand-chose parce que je ne publie pas grand-chose sur le blog. La dernière fois que j'ai publié un truc, c'était quoi Nomenclature des serveurs. Ah bah oui, c'était un article par rapport à ce qu'on a parlé la dernière fois. Donc merci à tous d'ailleurs pour vos retours. Merci à tous, j'en profite pour le dire. Et euh, la partie RSS wiki, donc euh, la partie RSS wiki, bon bah c'est... Euh, je ne pas activé ici. Hop, je vais aller activer. RSS. Alors attendez, je vais déjà basculer le thème en sombre, comme ça, ça va vraiment vous casser les yeux. RSS. Je plus où il s'active le flux RSS. Voilà. Je vais activer ça. Parce que là, c'est mon profil de test euh, sur Vivaldi. Hein. Juste pour que vous ne voyez pas tout mon, tout mon bazar. Donc voilà, hop, on va s'abonner. Au flux RSS, comme ça je reviens sur quelque chose de sombre. Voilà, donc la dernière fois que j'ai publié des trucs, c'était quoi Hop, on va publier comme ça. Ajouter de la chaud donc il y, aura, il y aura une vidéo là-dessus. Le portail Red Hat, bon, j'ai réactualisé l'article en vue d'une vidéo. Hop, une petit, un petit article sur NFS. Ici qui a été mis à jour, et puis euh, des mises à jour régulières de, du tuto Gentoo, voilà. Vous voyez, ça bouge un petit peu, ça bouge un petit peu. Je vais laisser, le, je vais laisser le, le flux RSS comme ça le, le, au prochain live. On verra ce que j'ai fait sur le site. Peut-être marrant, tiens. Hop, là. Donc voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner hein, sur les, les différents flux RSS. Comme ça, vous pouvez être tenu au courant de chacun des articles. En plus de la section sur, sur Telegram qui vous annonce tous les nouveaux. Toutes les nouveautés. Oui, oui, il y aura un replay. Il y aura un replay. Il y aura un replay. No problemo, comme d'hab. J'en profite pour saluer Dany qui arrive, Julien qui est là aussi et Victor qui débarque. Oui, oui, donc comme d'hab, il y aura le replay du C'est quoi qui dit, ça, ça change pas. Donc voilà un peu sur la partie euh, site, chaîne, ce qu'on a prévu de faire. Donc ça, plus des actualités qui vont arriver en temps et en heure sur les, les sujets qui me passionnent. Alors vous avez vu, hein, euh, là, il y, y a des choses qui sont... Il y a des choses qui sont prévues, vous voyez, dans les dernières vidéos. Cockpit, c'était prévu. Le tuto Gentoo, les actualités, c'était prévu. Ça, c'était prévu. Ça aussi. Burn My Windows, quelque chose qui est arrivé en cours de route. Bon, j'ai vu ça, j'ai dit hop, ça, c'était pas prévu. C'est l'occasion qu'a fait la vidéo. Et dans les vidéos précédentes, Spiral Linux, ben, je l'ai vu arriver sur Distrowatch. Donc voilà, pourquoi pas. Les petits éditos, des fois, ils arrivent comme ça. Donc, voilà. Et puis Arch Linux Guy, bah, je l'ai vu... vu sur DistroWatch, celle-là, je sais plus. Donc euh, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de contenu hein, euh, en un mois. Ça stagne un peu. Mais bon, je, je fais du travail sur le site. J'essaye d'organiser de... de... un peu mieux le site pour euh, que ça me serve d'une bonne base pour vous faire des vidéos de contenu euh, de qualité. Parce que ce qui se passe, c'est quand je fais des vidéos, souvent, j'ai mon sujet. Et c'est de la vidéo one shot. J'essaye, mais vu que j'ai pas de plan, je réenregistre 5, 6, 7, 8 fois les vidéos. Euh, parfois 50 fois, ça vous le voyez pas, mais des fois ça m'arrive. Hein, je fais 50 enregistrements parce que j'ai pas envie de me casser la tête à monter. Donc euh, il suffit que je bafouille au début ou des choses comme ça. Bon. Je recommence l'enregistrement. Donc j'aime pas trop couper. Je, je trouve que je perds du temps à couper. Donc ça m'arrive de réenregistrer souvent les vidéos. Donc, euh, si je peux avoir le site qui me serve de base pour euh, dérouler et faire la vidéo, ce serait encore mieux. Donc, j'essaye quand même de m'améliorer et de faire un travail de fond là-dessus. Euh, salut à Bruyot qui nous parle d'OpenSUS. Euh, alors, je vois OpenSense open OpenSUS OpenSense Ce serait bien un produit OpenSense. Non, il y a PFSense ou OpenSUS. Je sais pas. Peut-être tu voulais nous parler d'OpenSuse. On en parlera un petit peu ou ouais, éventuellement. Même si c'est une distrib qui m'intéresse pas, il y, y a des changements à mon avis à venir dans pas longtemps chez OpenSuse. Euh, réseau informatique, s'il vous plaît. Ouais, je vais essayer de, je vais essayer de parler un petit peu de de ça. Il faut que je, je prenne du temps pour centraliser les demandes. Quand il y a des demandes qui sont là tout le temps, bon qui deviennent récurrentes, j'essaie de j'essaye de, de traiter les sujets. Après euh, la chaîne YouTube, c'est pas euh, ça remplacera jamais un, un cours, une formation ou des choses comme ça. Donc ouais, il n'y aura pas de. Il aura pas forcément de d'exercice, ouais, de de, de enfin, on n'est pas dans, dans, dans cette notion de, 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 de formation. Hein. Une chaîne YouTube, c'est je vous apporte du contenu, et puis, et puis voilà, c'est pas l'objectif de, de former ici. Euh, OpenSense, ok donc OpenSense c'est un fork de PFSense, je connais pas du tout donc c'est vrai que PFSense c'est pas un truc que j'utilise qui m'intéresse trop donc je suis pas allé voir les news puis j'ai pas vu, j'ai pas trop vu. ce qui s'est passé alors on va profiter qu'on ait une soixantaine de personnes pour commencer à troller et puis après on reparlera sur des trucs sérieux donc j'ai vu un truc c'était marrant sur euh, développer.com c'est arrivé le 14 juin, c'est un peu vieux, hein. j'en ai pas parlé, mais ça peut être rigolo. Vous voyez, ça a fait réagir hein. 660 commentaires, cet article, c'est un truc de fou. Euh, Microsoft entre en phase de bêta test des onglets pour l'explorateur de Windows 11. Enfin, ça y est, si vous, vous utilisez Windows à titre perso, ça peut exister, ou que vous utilisez ça dans votre entreprise, c'est vrai que moi étant utilisateur de Windows dans le contexte pro, Perso, c'est juste sur le PC qui sert de mix, donc à la limite, je m'en fiche de l'explorateur de fichiers, je n'utilise pas assez. Mais c'est vrai que là, dans la vie de tous les jours, quand je suis sur mon poste Linux, c'est vraiment génial les onglets dans le gestionnaire de fichiers. Et quand je suis euh, au boulot, bah, ça me manque un peu les onglets dans le gestionnaire de fichiers. Donc là, ça va arriver avec Windows 11 dans l'explorateur. Enfin, ils vont nous mettre des onglets. Youpi! Donc. Euh, ici on va on va pas regarder la vidéo parce qu'on parce que risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur Mais euh, voilà ils expliquent que il euh, y a des onglets on les on les aperçoit ici, voilà, ici on va mettre la vidéo vite fait Hop. Je vais la mettre en pause pour éviter d'être de... embêté Hop Je vais voir on va essayer de parcourir Est-ce qu'il nous montre Non il nous montre même pas ça J'ai pas vu la vidéo donc voilà, il y a des onglets là, on ne voit pas évidemment. Ils sont là les onglets, ok. On peut grossir, non, on ne peut pas grossir la vidéo. Ben, bref, c'est comme le, comme le navigateur, de, euh, navigateur internet, mais dans l'explorateur de fichiers, on a des onglets. Youpi On est en 2022. Donc bon, c'est sympa, mieux vaut tard que jamais. Bon, tant mieux, voilà, c'était la petite partie troll. Allez, on revient sur quelque chose de sérieux. On va revenir sur la partie Linux. J'avais envie de vous glisser ça comme ça. On revient sur la partie Linux. Donc j'ai vu ça, c'est très frais. Hein. 30 juin 2022. Donc il commence déjà à y avoir des, des petites nouveautés qui sont dévoilées en vue de la version 43 de Gnome. Là aujourd'hui, la dernière version de Gnome, c'est la version 42. La version... 43 de GNOME risque d'apporter une fonctionnalité assez intéressante sur l'explorateur de fichiers qui s'appelle... Euh, l'explorateur de fichiers, je vous dis n'importe quoi. Le navigateur web, voilà, hop là, je vous le lance ici. Et donc, ce navigateur web qui a des onglets, lui, qui est très minimaliste, hein, c'est web, alias euh, Epiphany, je crois son nom. Ce navigateur web, qu'est-ce qu'il va avoir Qu'est-ce qu'il va avoir en plus des onglets il va avoir des extensions. Oui, 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 mais pas n'importe quoi comme extension. Il va supporter les web extensions. Ce qui veut dire, qui veut dire que toutes les extensions qui fonctionnent aujourd'hui sur euh, les moteurs Chrome, Chromium, tout ça ce que vous voulez, ou même Firefox, maintenant il supporte les web extensions. Et eh ben, vous allez pouvoir utiliser les extensions du catalogue de, de Chrome ou autre, peu importe. Sur Gnome Web. Ce qui fait que. Est-ce que, au final. Est-ce que au final, quand on va avoir une distribution style Fedora qui va sortir avec, euh, avec GNOME, les web extensions, c'est vraiment une valeur ajoutée, parce que on va pouvoir étendre les possibilités du navigateur web. Et donc, est-ce que finalement l'intérêt d'inclure Firefox dans une distribution Linux qui propose l'environnement de bureau GNOME va toujours se justifier, sachant que le navigateur web va quand même offrir des choses assez intéressantes. Donc là, c'est peut-être à méditer. Euh... Donc voilà, c'est assez intéressant. Là, ils nous ont mis une petite, une petite capture d'écran avec Ublock Origin, Bitwarden, HTTPS Everywhere. Bon, moi, je n'utilise aucune de ces extensions. Parce que j'ai le, le bloqueur de publicité dans Vivaldi. Bitwarden, je n'utilise pas ça. Vous le savez, j'ai présenté euh, passe XC avec euh, l'extension dans le navigateur. Et puis HTTPS Everywhere, everywhere, je l'utilise pas. Mais donc j'utilise euh, rien de tout ça. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Parce qu'on peut avoir un navigateur intégré dans l'environnement de bureau. Qui fonctionne bien, qui a le thème qui va bien, vous voyez là c'est en thème sombre, et puis même moi, hein, là euh, bah, je l'ai déjà refermé, qui est idiot. Hop. Donc web, hop, navigateur, il suit le thème du système, donc là je suis en thème sombre, et bah ben, le navigateur web il est en thème sombre. Si je vous le relance, pas en version euh, privée, voilà, il est en thème sombre. Donc c'est génial, c'est génial. Donc peut-être que, peut-être que, Firefox risque de disparaître sur certains systèmes. Alors, par défaut, j'entends par là, livré par défaut. Vous voyez, Fedora, ça ne m'étonnerait pas qu'ils abandonnent Firefox. Pourquoi pas Parce qu'ils veulent une, vraiment un, un gnome bien intégré dans le système. Après, d'autres distributions comme Ubuntu. Franchement, je ne sais pas. Et des systèmes comme Debian, qui se sont longtemps battus avec des espèces d'alternatives de, à Firefox et à Thunderbird, comme euh, Ice Weasel et Ice Dove, là, à cause des logos. Bon, bah ça pourrait peut-être résoudre tous les problèmes. À voir. À voir. À voir. Salut, Yannick Yannick euh, Fabrice qui nous dit Firefox pourrit l'expérience Linux. Bah, pff, Firefox, j'ai réessayé récemment. Euh. Je l'ai pris en flat pack hein, pour que ce soit, ça m'évite... Euh... Bon. Ok. Euh, pour la petite anecdote, je l'utilise euh, à nouveau au boulot puisque euh, je travaille dans un endroit un peu plus grand. Donc forcément, euh, on a un petit peu moins de, de flexibilité. Avant, j'utilisais Vivaldi sur mon poste de boulot. Là, je me plie vraiment au, au, dire, au fait d'être corporate au niveau de, de mon taf. J'utilise Firefox qui est le navigateur par défaut. Je pense qu'ils vont pas tarder de changer d'ailleurs. Et eh bah, ben, je peux vous dire que ça fait vraiment bizarre parce que j'ai dû pourrir mon Firefox d'extension déjà pour retrouver les, les raccourcis de souris, enfin tout ce que je faisais avec Vivaldi et il me manque des fonctionnalités. Donc la transition est un peu violente quand même hein, de ce côté-là. Revenir sur Firefox et puis euh, la lenteur du, du navigateur pour naviguer, pour faire des choses simples, c'est assez incroyable. Je crois que je me suis habitué trop à Vivaldi et c'est vraiment un, un pas en arrière là. Le fait de revenir sur Firefox, c'est un peu violent. C'est un peu violent. Euh, Quid de la synchronisation avec le navigateur du téléphone d'un autre PC Je, sais, euh, je crois qu'il n'y a pas de synchronisation sur Gnome Web. Peut-être ça va venir. Euh, Quoique, ils n'avaient pas implémenté le truc de synchro de Firefox. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'il est installé. Euh, je me demande s'ils n'avaient pas. Vérification. Confidentialité, il n'y a rien là-dedans. Je me demande si j'avais pas vu un truc sur que Gnome Web pouvait utiliser le, la synchro de Firefox. Bon, peu importe. Euh... Salut Ludovic qui a quitté Firefox pour Edge on Linux. Edge, et franchement, Edge sous Linux, il fonctionne génialement bien. Et donc, quelqu'un qui, qui navigue entre du Windows du Linux, et puis qui depuis un bon moment, il a eu du Windows, il a ses trucs synchronisés avec Edge, ce machin, ces trucs, c'est génial. Moi, je suis, euh, suis d'accord. Enfin, il y en a, ils font des bons pas possibles quand on parle de navigateur. Ouais, Google Chrome Ouais, mais la personne qui a tous ses trucs synchronisés sur Google et puis qui vient sous Linux, bah, si on lui dit non, tu utilises Chromium, il n'y a pas la synchro, bah, il s'en va. Alors que là, ça peut offrir quand même à utiliser des logiciels propriétaires sur Linux et donc comme d'habitude moi je ne suis jamais contre l'utilisation de logiciels propriétaires d'ailleurs je suis le premier à en utiliser hein. comme, euh, comme 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 euh, bah, Google Chrome vous voyez il est là certains diront que Vivaldi est propriétaire donc il est là euh, j'utilise Steam donc c'est pas libre du tout euh, j'utilise Nero que j'ai pas fermé j'utilise VMware qui est toujours là enfin voilà et des applis non libres anydesk pas libre. voilà J'utilise des trucs pas libres hein, sur ma machine. Donc voilà. Après, je ne suis pas fermé. Effectivement, je regarde un peu les navigateurs comment ça, ça progresse. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé Vivaldi pour moi. Mais quand on retourne ailleurs, c'est un peu violent. Et, et donc. Euh... Et donc voilà, après, euh... Firefox, de ce que je l'utilise au boulot, il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais il est lent. Euh... Il est lent et, euh, et, et quand tu prends le sur le poste, forcément, tu as un Edge. Tu prends Edge, tu fais la même chose avec. Donc sans extension, sans rien du tout. Bah, Edge, il va quand même plus vite. Et Edge basé sur Chromium. Parce qu'il y a plusieurs navigateurs qui sont préinstallés. Il y a Chrome, Firefox, Edge. Donc j'ai constaté que je ne pouvais pas utiliser Vivaldi, même en version portable, hein, parce qu'il y a des mécanismes de sécurité donc, que je ne vais pas contourner. Et donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai le choix entre Firefox, qui est le navigateur par défaut, mais on peut changer, et on a d'autres possibilités, Chrome et, et Edge. J'ai choisi d'utiliser le navigateur par défaut, mais on voit bien que pour les choses équivalentes, il y a des trucs qui, bon, voilà. Ça, c'est mon, mon retour après utilisation, quoi. Alors, hop, qu'est-ce que C'est rigolo hein, dès qu'on parle de navigateur internet. Et il n'y en a pas encore, il y en a pas encore qui m'a casé. Ah ouais, moi j'utilise brave. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a des posts sur Facebook, à chaque fois qu'il y a des posts sur Facebook ou sur Twitter qui parlent de navigateur internet, systématiquement, il y en a un qui dit Ah oh, j'utilise Brave, c'est trop bien. Et il y a des pros Brave comme il y a des pros euh, Arch Linux, c'est rigolo. Mais quand ça parle de navigateur, il y en a toujours un qui parle de Brave. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Brave. Mais voilà. Moi, je pourrais grandir. Hein. Non problème. Euh, hop, hmm. Alors, à toi de tester plusieurs navigateurs et de choisir. Oui, oui Après, le, le navigateur, je veux dire, le navigateur, il y a plein de choix. Donc, on a le choix et on prend ce qui correspond le mieux à nos choix. Moi, j'ai parlé plusieurs fois que Vivaldi était le choix que je préférais. Parfait. Après, il convient pas à d'autres personnes. C'est comme les environnements de bureau, c'est comme les distributions Linux. Il y a plein de choix et donc à vous de faire les vôtres. C'est ça l'avantage quand même d'avoir ce choix-là. Actuellement, je suis sur Brave. Ah, bah voilà, j'en rêve, il est sur Brave. Et je le trouve lent comparé à Firefox. Ah, bon, bah. Il y a Opera, yes. Ah, bah voilà, Yann qui utilise Brave. Il y en a qui utilisent Google Chrome. Je... Mais je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Linux qui utilisent Google Chrome. Et moi, je fais pas des bons. Hein, mais... Voilà. Donc, ça, c'était la partie navigateur à Internet. Euh, salut, Wisplache! Oui, Donc voilà, ça c'est une nouveauté, de, de, de. ce sera une nouveauté qui arrivera avec GNOME 43. Après il y a, a d'autres trucs, euh, trucs, donc là ça parle des extensions. Voilà, Donc on peut tester en, en flat pack le moteur Epiphany. Et puis là l'article parlait que de ça. On, de toute façon on parlera de, voilà oh c'est un peu gros là, on parlera en temps et en heure de, de GNOME 43 lorsqu'il arrivera et euh, et on verra un petit peu les, les, les nouveautés de ce côté-là. Yes, il y a Falcon aussi, euh, comme nous dit Scootman. Il y a Falcon, lui, plutôt, je pense qu'il s'intègre bien dans un environnement style KDE. Effectivement. Salut Zico Et à euh, Scootman, donc, qui arrive tranquillement sur le live. Bienvenue à vous Donc, euh, Zico, salut à toi. Je crois que. Si, je viens de dire bonjour. Je ne sais plus. Je suis perturbé. Enfin voilà, le débat des navigateurs, je pense qu'on pourrait en parler pendant euh, 50 jours consécutifs qu'on n'aurait pas encore fini de se mettre d'accord. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on est tous différents, on a tous des attentes différentes et il y en a pour tout le monde, donc c'est génial. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, le navigateur Gnome Web. Donc on en parlera quand on parlera probablement de, de Gnome 43, quand ça arrivera en alpha, euh, bêta, dans une Fedora, on testera ça au détour d'une Fedora 37. Euh, Allez, on va parler de distribution Linux. Salut Cassie, bienvenue. Alors, on va parler de distribution Linux et il y en a une euh, qui va faire parler d'elle sur la chaîne dans pas très longtemps. Hein C'est Linux Mint. Donc, on, on découvrira ensemble les petites nouveautés quand elles se seront un petit peu précisées, mais la version bêta va bientôt pointer le bout de son nez. Ouais, Linux Mint 21, donc vous le savez, hein, je vous l'avais dit quand, euh, quand Ubuntu 2204 est sorti, que... Linux Mint devrait arriver alors, courant probablement de l'été, juillet-août. Donc là, ça se concrétise un petit peu. Dans Linux Mint 21, on va grossir un peu. Voilà, comme ça, on passe en mode, euh, en mode mobile. Donc Linux Mint 21, ce qui est intéressant, bon, comme d'hab, on va avoir une base Ubuntu 22.04, donc des logiciels plus récents, on a compris. Il y aura toujours les nouveautés habituelles, l'outil, le magasin de logiciels de Mint, pas de Snap. Euh, les flat packs préinstallés ok et puis le nouvelle version du noyau nouvelle version de cinnamon tout ce qu'on qu connaît on aura toujours d'avoir le chiffrement du dossier personnel dans l'outil d'installation on aura voyez, des petits changements en Man. on y reverra au moment voulu là ce qui est intéressant le point technique que je trouve assez intéressant c'est ça qui m'a. Il y a deux trucs qui ont retenu mon attention, c'est ça et ça. La première, c'est cette fonctionnalité Systemd ou Umd. Donc, c'est une fonctionnalité qui fait que. Je vais vous ouvrir un navigateur. Elle a fait parler d'elle en ce moment, hein, cette, euh... cette fonctionnalité sur Ubuntu, puisque c'est une fonctionnalité qui a été mise en place sur Ubuntu 22.04. Donc, là, vous voyez. Mon système, il est en cours d'utilisation, très bien, OK. Et donc j'ai 8 Go 36 37 de RAM utilisé sur 15,6. Quand je vais consommer des ressources sur mon système, donc là ça va monter. Et puis, il y a un moment donné, il y a un système qui, un service qui système D qui s'appelle systemd ou d, qui va regarder quand il n'y a plus beaucoup de mémoire, il va regarder en gros, il va faire un tri par mémoire. Il va regarder quelles sont les applications qui consomment le plus de mémoire. Et puis, il va se dire tiens, euh, voyons voir là, tac, 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 tac. Ah, tiens, celui-là, il prend beaucoup de mémoire. Pouf Je vais le tuer pour éviter que ma machine soit bloquée. Donc, ça, c'est un service système D qui gère ça. Sauf que ce qu'il faut savoir, quand même, il faut savoir un truc. C'est que le noyau Linux, il est très grand. Hein. Il sait le faire comme un grand, ça. Quand il n'y a plus guère de mémoire, il kill le processus qui bouffe le plus de mémoire. Donc là, ça fait un peu, vous voyez, ceinture et bretelles quand on a euh, ça en plus. Et Systemd ou Omd a fait parler de lui en ce moment, OOM, hein. Out of Memory, hein. OOM, quand on n'a plus de mémoire. Et donc, ce service, il a fait causer un peu en ce moment sur Ubuntu, puisque même quand on n'est pas à saturation de mémoire, il y a des applications qui crachent. Certains utilisateurs ont rapporté ce problème. Il y a des applis qui crachent parce que le, le système a décidé de tuer alors qu'on n'était pas à saturation. Donc, ça pose des problèmes. Linux Mint s'est dit nous, on ne va pas inclure ça par défaut. Je trouve que c'est une excellente idée, sachant que le noyau Linux gère très bien ça. On pourrait même le prouver ensemble. On pourrait même le prouver ensemble. Je sais pas comment on peut faire ça. Hmm. Je vais relancer cette machine. Eh bien, cette machine. Je vais lui mettre 2 giga ram Je sais pas si on va pouvoir... Je ne sais pas si on va pouvoir le voir comme ça, vite fait. Attendez, on va démarrer la petite red on, on, on va essayer de tester le, le truc. Hop je vais vous mettre en plein écran. Mais le mécanisme existe par défaut dans le système. Euh. Toc. Ah, je fais un petit coucou à mon tonton qui est là Ah ouais, on dit pas je sais pas, Alors là, je suis je sup... suis je suis surveillé. Je suis surveillé, dis donc, dans ce que je dis. Alors, hop On se connecte sur la machine qui va bien Salut, Enigma, bienvenue. Alors, voilà, on est sur notre petit système qui va bien. Ok. On va le faire comme ça. Hop, voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc là, on a une utilisation de notre système. Je vais ouvrir une deuxième console et je vais lancer une commande qui remplit la mémoire. Hmm, on va faire ça ensemble. Regardez. sais plus que c'est mon mot de passe admin. On va mettre ça. Ok. Donc on va lancer une petite commande qui va bien. Euh, je sais plus comment on va faire. On va faire. On va le faire avec oak. Tiré euh, f. Je crois qu'on peut faire un truc de ce style là, attendez hein. Me rappelle plus. dev 0. Hop, je vais faire ça. print $0. Ça doit le faire ça. used. Non, c'est pas ça. Il y, Il y a une commande, on va y arriver, on va y arriver. print $1. Ah là là, faut que je retrouve la commande. Attendez. Il y a une commande avec Hawk. Je dois la voir dans un coin. Je vais la retrouver. Je ne sais plus comment elle s'utilise. J'ai dû la noter sur mon site. Je sais plus. Alors, je ne sais plus, c'est comme je ne sais pas. Hein. On ne doit pas le dire. Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un article avec des trucs sympas. C'est pas possible. Salut Jérôme, bienvenue. Bon, regardez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va pas se casser la tête. On va pas se casser la tête. Ce qu'on va faire, on va lancer plein de programmes. Je vais couper le swap. Bon, j'avais pas assez de mémoire sur mon système. Donc, visiblement, on a Gnome qui a craché. Eh ben euh, merci pour la commande. Pas d'applaudissements. Si si on peut applaudir. Applaudissons le train. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Non, non. Euh, attendez, je reviens sur mon truc là. On va aller voir. Donc gnome a craché. Hein. Tel un lama. Oh là là, il fait des blagues. Alors quand on fait des blagues, euh, c'est quel bouton C'est quel bouton quand on fait des blagues C'est pas ça. Attendez, c'est bien j'ai le petit truc, mais quand on fait une blague, pourri. Voilà, cherchez le bouton. Donc si on fait un petit journal, Ctrl-F. On devrait peut-être trouver. Regardez, on va lancer ça. On va lancer plein de programmes. On va lancer plein d'onglets. Il y a bien un moment, ça va cracher. Non. Non. Attendez, on va ouvrir YouTube. On va lancer des trucs. Il y a un moment, il y, a moment, il y aura plus de mémoire. Hein. Salut Amedi Voilà, vous voyez là, il commence à y avoir des trucs. Des erreurs... Ah non, c'est des erreurs propres à Firefox. Je ne suis pas y arrivé à faire mon truc là. Attendez. On va, on va essayer de trouver Bench euh, Hawk. Memory. Il y a une commande avec ok mais je ne me rappelle plus. Ah, c'est petit F. Attendez, j'ai peut-être trouvé. J'ai peut-être trouvé. C'était petit F, pas grand F. On va y arriver. Vous voyez, vous voyez le gars qui est en train de galérer, là Salut, Tony Blaster Il y a l'avatar. Ah oui, c'est l'avatar avec le costume. Allez, on retourne avec Oak là. Petit F. Zéro. Non. Sans le F. C'est pas possible. Il va falloir que je la trouve cette commande, parce que si je la trouve pas, ça va me perturber pendant un bon moment. Oak, oak, oak. Memory bench mark. Peut-être je vais la retrouver comme ça. Fuite de mémoire oak. Non. C'est incroyable ça. Ah. Voilà. Bat. Très bien. Ça a dû suffire, ça. Alors, remarque, en lisant 0, euh... la, la commande était bonne. Ça peut-être plus vite avec le random Non, ça va pas plus vite avec le random. Print 1. Hein? Non. Euh, bon, c'est pas grave. On a eu le comportement attendu qui est ici. Je vais arrêter ici. Hop, voilà. Ici. C'est le kernel qui fait un OOM kill. Et si je fais un système CTL status, système D, il doit pas y avoir de OOM kill. OOM. Tu vois Il n'y a pas de système D OOM quelque chose. Le service n'existe pas. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est bien le kernel, c'est bien le noyau qui envoie le kill. Voilà. Donc le noyau, le noyau, eh ben. Il fonctionne très bien et il s'est arrêté comme il faut alors par contre je vais me noter retrouver la commande au je vous la mettrai dans la descriptif au mémoire parce que il va falloir que je la retrouve donc là on voit bien que le noyau c'est gérer ça tout ça pour ça hein. une, une dizaine de minutes pour ça c'est fabuleux quand même donc le noyau c'est très bien géré quand il a plus de mémoire, donc pas besoin d'avoir un service qui fait n'importe quoi à la place. Voilà, c'était ça la conclusion. C'était ça la conclusion du, du truc. Je vais laisser ça ouvert quand même. C'est tant jamais. Attendez, je refais une petite recherche quand même vite fait. Ook memory test. Il y a une commande. 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 Ah bah tiens. Un petit, un petit article sympa chez notre ami Christophe Casanegno. Il n'est pas dans le coin. Alors hop. Non il n'a pas la commande qui va bien. C'est tout simple. Hein. C'est un hawk avec un print $0. Sur un fichier. Et je crois que c'est sur dev0 qu'on peut faire. Dev. Dev0 Dev0 Ça suffit Dev0. Attendez, vous voyez le gars qui est vraiment perturbé par son truc. Hein. Faut que je trouve. Hein. Faut que je trouve. Et ce sera en live. Faut que je trouve. On va y arriver. On va y arriver. Je, je la trouver cette commande. Alors, hop, on retourne. Dev0. Mais ça ouvre ça. Zéro. Ah bah si, voilà, vous voyez, ça remplit bien la mémoire. Bah, c'est bien ça. Ah ouais, c'était long parce que ça a rempli le swap. Swap of. Un... Donc oui, c'est bien ça. Hog $print 0, dev 0. Ok. Il y a un article Linux Tricks Alors sur Linux Tricks, oui. D'ailleurs, cet après-midi, ni plus ni moins que cet après-midi, j'ai cherché quelque chose j'ai cherché quelque chose et je suis retombé sur mon site et je me suis dit waouh génial linux tricks alors manipuler du texte oui il y a l'article sur ça mais euh... ok je pense pas qu'il y, le... y a le truc pour la fuite de mémoire hein. là il y a les exemples Il y a les exemples, il y a plein de trucs. Je sais même pas si je vous ai fait une vidéo sur Hawk. La NASA va appeler. Oh, génial, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à aller dans la fusée. Je vais me noter la commande. Permettrait. Comme ça, je, je, je ferai un petit article avec les commandes fun. Il y a donc cette commande, hop, copier, coller, voilà, remplir mémoire, hop, je, je, vous, je mettrai les commandes pour, euh, pour faire des, des, des lectures sur les disques, des machins comme ça. J'ai dit que je le ferais ce, cet article, je le ferai, un jour, je le ferai. Donc voilà, c'est tout ça, c'était pour euh, illustrer juste un truc, c'est que le noyau c'est euh, tuer un processus comme un grand... Et lui, il n'est pas, pas accusé par la justice. Donc, là, on a, on a système d'EU. On était quand même là-dessus. Qui va être donc euh, enlevé de ce que Ubuntu propose dans Linux Mint. Normal. Comme ça, la personne qui utilise son petit, son petit système, il n'est pas embêté par, par un truc qui est Donc, voilà. Et puis, euh, donc, pour, pour rebondir sur ce que dit euh, Christian, là, je suis pas d'accord, c'est pas à système D de gérer la mémoire. Le noyau il sait faire. C'est le but, le, le noyau hein, sur un, un système d'exploitation, il est là pour faire le lien entre le matériel et le logiciel. Donc euh, c'est lui qui gère la mémoire, c'est lui qui gère le euh, processeur, les cartes, euh, qu'elles soient réseau, euh, graphique ou si vous voulez. Donc c'est quand même son rôle. C'est pas à système déjà. Euh, Philippe, c'est quoi que tu nous envoies là, la commande Hop. ce que ça fait je vais garder donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur linux mint à la base on parlait de ça et la deuxième chose qui m'a qui a retenu mon attention alors c'est pas très intéressant pour nous qui installons juste linux mint à ah. out of memory je copie Hop. par contre il faut que a et b existe un hein, point txt je pense Deuxième chose qui est intéressant, c'est ça, c'est de garder OS Prober activé par défaut. Donc OS Prober, il sert à quoi Il sert à une chose très très simple. Il sert à une chose très très simple, et cette chose, c'est la suivante, c'est que si vous installez Linux en dual boot avec un Windows, et eh bien après l'installation de Linux, vous arrivez sur le Grub, et Grub est dans la capacité de détecter Windows. Et donc, vous n'avez aucune modif à faire pour que le système Windows soit affiché dans le grub de Linux. Donc, ça, c'est génial. Et c'est plutôt orienté pour, euh, j'allais dire, pour ceux qui souhaitent se mettre dans le monde Linux et garder leur Windows à côté. Ah, donc là, ça fonctionne nickel. Vous n'aurez pas, le, vous aurez pas le, le grub noir par défaut. Ça démarre et tout. Hop, c'est bien. On a un petit Windows à côté. Il est pris en compte. Il est géré. Okay. Donc... Voilà, euh, je reprends Rapidos pour euh, Linux et DOS qui vient d'arriver. Non, non, ce qu'il n'y aura pas dans Linux Mint, c'est juste le service Système OOM qui permet de tuer un processus qui bouffe trop de mémoire. Voilà. Ce... D'ailleurs, si on cherche ça, euh, Ubuntu, vite fait, là, regardez. Vous voyez, on, on a une heure de live. Une heure de live et on, on a encore tout ça à voir. Euh, non, pas ça. Euh, Système OOMD, je vais taper... Alors, forcément. Ubuntu, on va aller chercher chez Google. Actualité. Voilà. Il y a eu, il y a trois semaines, un article chez eux, là, Gingefo. Mais bon, il n'y a pas que chez eux, voilà. Ubuntu 2204 LTS tue des applications sans aucun avertissement. Voilà. Donc c'est euh, ce service système D, OMD. Voilà. Qui se déclenche trop fréquemment et tue des applications même si la mémoire n'est pas dans une situation critique. Voilà donc euh, c'est pas génial sachant que ça je crois que c'est introduit chez fedora et que ça fonctionne pas mal chez fedora voilà donc ça vu que ça fait parler bah, linux mint ils ont dit on n'en veut pas et voilà et puis après sinon sinon euh, sur linux mint 21 j'ai pas vu il n'y a pas encore de trucs super très intéressant. Donc, on verra au moment, au moment voulu. On va attendre qu'il publie euh, l'article de blog sur la bêta. On verra ensemble ce qu'il y a de nouveau. Et puis, on, on traitera ça au moment venu. tu les applications sans aucun avertissement. C'est aussi implémenté sur Windows. Ouais, faut y aller par contre sur Windows. Hein, pour que ça crache euh, parce qu'il n'y a plus de mémoire. Faut y aller quand même. Donc, voilà. C'est pas un gestionnaire de service, parce que Systemd, je le compte comme un gestionnaire de service, hein, quand même. C'est pas un gestionnaire de service de gérer la mémoire. Donc là, je suis d'accord avec cette décision. Je suis d'accord avec cette décision. Donc voilà pour ça. On revient un petit peu dans le monde Red Hat, histoire de vous faire plaisir. Euh, depuis le mois dernier, vous savez, Red Hat Enterprise Linux 9 a été publié mai 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 2022 dans la foulée est sorti Alma Linux 8 qui a été et Alma Linux 9 qui a été la première dérivée de Red Hat à sortir en version 9 peu de temps après mon live de la, la semaine de, de, du mois dernier le 14 juin Euro Linux 9.0 a été la deuxième dérivée de Red Hat à sortir en version 9.0 j'en ai jamais parlé de Linux Elle est plus petite en, en usage, mais elle existe. Et là, récemment, ça date d'aujourd'hui, Oracle Linux, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est basé sur la Red Hat Enterprise Linux 9.0. Donc, Oracle Linux 9.0 est sorti ce jour, ce 6 juillet 2022, et donc, comme d'habitude, chez Oracle. On a leur noyau UEK pour Unbreakable, Enterprise Kernel, si ma mémoire est bonne. Pour le EU, e c'est unbreakable, sûr et certain. Et le E, ça doit être Enterprise Kernel. Et donc ils nous le mettent en version LTS 5.15. Donc ça c'est un truc que j'aime bien par contre chez Oracle. C'est qu'ils nous mettent un noyau euh, LTS. Là où euh, je crois que Red Hat Enterprise Linux 9, dont on revient ici rapido, ils n'ont pas un noyau LTS, vous voyez, ils ont le 5.14 et le 5.14 n'est pas un noyau LTS. Bon, euh, donc après ils vont s'amuser à, à remettre les correctifs de sécurité là-dedans, mais chez Oracle ils prennent une version euh, LTS, donc c'est pas mal du tout, sachant que le noyau 5.15, kernel.org, on va aller sur kernel.org, Ici, le noyau 5.15. Je, je connais ce site par cœur. Il est supporté jusqu'en octobre 2023. Donc, c'est un petit LTF. Hein. Il est supporté deux ans. Donc, ça leur permet quand même d'être un peu plus euh, souple sur les mises à jour et de moins rétroporter de choses. Ils prennent ce, ce, ce noyau-là et puis, font leur petite tambouille. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Moi, moi, je suis sur le 5.10. Là, j'utilise le 5.10. Hop. Une M-A, j'utilise le 5.10.117 pour être précis. Donc, le 5.10, vous voyez, il est supporté jusqu'en décembre 2026. Donc, moi, je vais rester sur celui-là parce qu'il va très bien. Donc, euh, voilà. Et donc, pour répondre à la question de Jean Rêve, qui dit, enfin, Jean Rêve <laughs> sur YouTube, c'est Jean Rêve, ailleurs, c'est Jean Rêve. Pour répondre à la question de Jean Rêve, Oracle Linux utilise des paquets RPM Oui, puisque c'est basé sur. Euh, c'est basé sur Red Hat Enterprise Linux, donc par conséquent, euh, par conséquent quoi Et eh bah, ben, c'est exactement la même chose que Red Hat, donc euh, DNF pour installer les paquets. Enfin, c'est un clone de Red Hat, euh, utilisable sans licence. Tu peux opter pour du support si tu le souhaites. Et ce qu'on va même faire, ils ont un gros DVD là, ouais, tiens, regardez ce qu'on va faire copier, euh, je peux copier l'adresse du lien, yes. On pourra peut-être en parler je sais pas soit on en parle ISO download from URL soit on en parle dans une vidéo soit on en parle à la fin du live si j'ai un petit peu de temps on reviendra dessus hop je télécharge l'ISO tac c'est parti au oh, punaise il dépote le, le miroir là on est à 100 mégas ok euh, on doit être au taquet de la connexion là on est au taquet de la connexion Et voilà. Inter euh, réception, ah bah non, mais je suis bête, c'est le serveur qui télécharge. Ouais, on est à 100 mégas, une connexion giga donc ça doit aller à 120 mégas maxi. Et là, on est à 100, ouais, on est au taquet de la connexion. Du coup, j'espère que le live va pas ramer normalement. Non, il n'y a pas de raison que ça rame. On, on, on testera ça vite fait. Hop là, euh, autre sujet pour les utilisateurs de Thunderbird. Euh, pour les utilisateurs de Thunderbird, euh, attends, j'ai vu des questions, j'ai vu des questions, je vais y répondre après. Euh, Thunderbird, si vous utilisez ce client de courrier électronique, la version 102 arrive bientôt, ça va arriver. Euh, C'est pas prévu que je, je, je parle dans une vidéo dédiée hein, de, de Thunderbird, bien que je l'utilise, il est là. Hein. C'est mon client de courrier électronique sur euh, Linux depuis de nombreuses années, je continue de l'utiliser. Euh, même si Vivaldi, vous savez, inclut un client mail, euh, j'utilise encore euh, pas mal euh, Thunderbird pour euh, d'autres usages. Et donc, euh, bah, si vous l'utilisez, quand euh, la version 102 va arriver, il y aura une petite refonte de l'interface graphique. Voilà, je vous montre ça. Donc voilà à quoi ressemblait en haut à gauche Thunderbird 91 et en bas. À droite thunderbird 102 donc on voit juste que c'est à peu près le même look que euh, que comment que les dernières versions de firefox avec ses, ses onglets un petit peu plus modernes avec le des euh, icônes un peu plus sympas et ici vous voyez ils ont mis des, un, un petit menu rapide un petit peu comme on retrouve là sur Vivaldi quand le quand le, le, le panneau est, est juste euh, Juste remis, là on a les, les petites icônes. Donc ils ont mis à peu près de la même façon. C'est rigolo parce qu'en plus on a Vivaldi 5.3, oui, Vivaldi Mail launched, Trop bien. Donc là, on a une petite interface sympa. Alors, il y a un truc, ce serait bien qu'ils mettent, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Thunderbird. Mais quand vous avez plusieurs comptes, ils s'ajoutent les uns à la suite des autres. Et vous n'avez pas la possibilité, sans trifouiller ou chercher une extension, de réorganiser vos différents comptes de courrier électronique, vos différentes adresses mail. Vous ne pouvez pas les réorganiser, les, les organiser comme vous voulez, c'est-à-dire en mettre un plus haut que l'autre, etc. Ce serait bien qu'ils ajoutent cette fonctionnalité quand même. Mais voilà, c'est un, un petit peu plus joli. Bon, ok, très bien. C'est l'histoire de sortir une nouvelle version. Je ne sais pas si parmi vous certains utilisent Thunderbird, mais je trouve que c'est un, c'est un, un, client de courrier électronique qui franchement euh, est quand même pas mal et j'ai du mal à le remplacer euh, par autre chose, que ce soit euh, celui inclus dans Vivaldi, que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos, ou bien dans, 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 euh, dans Evolution, qui est le, le courrier électronique de, de Gnome. Voilà. Donc en gros, il y a ça, il y a le, cette, cette interface qui change un petit peu, et puis... Euh, voilà, on peut personnaliser un petit peu les, les mails, voilà, les boutons. Est-ce que les boutons, on affiche juste le titre du bouton, juste l'icône, ou juste le texte ou les deux. Ok, donc ils ont mis un petit peu le paquet sur l'apparence et la personnalisation du client de courrier électronique. Qui, 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 euh, j'ai cru voir passer ça, c'est pas écrit dans l'article, mais il me semble que Thunderbird va arriver sur téléphone mobile. Voilà. Ça devrait arriver sur téléphone mobile. J'ai vu ça, je ne sais plus où, mais je l'ai vu. Donc à suivre, à suivre. Ils ont peut-être fondu l'interface justement pour que ça s'adapte un peu plus à, à, à la partie mobile. Alors attendez, j'ai plus de musique. Je vais mettre un peu de musique. Hop là, voilà. Je vais mettre un peu de musique. Et je vais peut-être mettre la même musique qu'écoute J'en rêvais, dites donc. Attendez, je vais regarder si J'en rêvais écoute la même musique que moi. Si je le piste, non, non, il n'est pas là. Donc, euh, voilà pour Thunderbird. Voilà. I will speak in English. Donc, c'était la petite info. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Mais je voulais quand même vous le mentionner de ce côté-là. Euh, ça, c'était une autre recherche que j'ai faite. Eh bien, regardez, on a parlé de tout. On a parlé de tout. Oh non, elle est chiante, elle parle tout le temps. Euh, non, attendez, je vais mettre de la musique de quelqu'un qui parle moins. Hop, voilà. Donc voilà, si, on, si on, je vais pouvoir, on va pouvoir... Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Et de toute façon, les 45 minutes, je qu'on compte faire 2 heures à peu près, les 45 minutes, on va bien les remplir, je pense. Avec toutes vos questions. Donc, je vais remonter. J'avais surligné la question de Zachary qui dit Oui, donc l'ISO, le DVD. Hop, je reviens là. Chez Red Hat et leurs dérivés, souvent il y a ça. Il y a l'ISO qui contient tout. Donc là, 8,6 gigas. Enfin, 8688 mégas. C'est l'ISO, l'image le, le, DVD qui contient tout. Donc, tu peux faire une installation hors ligne. Là où le CD boot ici te permet de juste de démarrer sur le DVD et après ça te fait une installation net install, tu vas récupérer tout depuis le réseau. Donc moi j'ai toujours la fâcheuse tendance de prendre le DVD complet comme ça. Je j'ai pas besoin de la connexion à internet. Si la connexion est mauvaise, il y a une coupure réseau, je peux faire euh, très sereinement l'installation. Pour Olivier qui me demandait tout à l'heure, est-ce que je pensais parler des ransomware ou des rançongiciels, comme disent les Français Je sais pas. Euh, J'avais noté quelque chose dans un coin, mais euh, je voulais faire un petit, une petite vidéo euh, sur un peu de la, de la sécurité. Je crois que j'ai dû garder quelques notes, mais euh, ça c'est dans un mail. Mais Il faut que j'organise ça de manière assez ludique que vous puissiez partager cette vidéo à des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par l'informatique ou qui sont pas euh, experts dans le domaine. Je voudrais faire une vidéo au grand public sur la partie menace, euh, phishing, enchant logiciel euh, et des choses comme ça. J'ai déjà mes points, il faut que je fasse quand même un petit plan, histoire que ce soit bien organisé quand même, mon... ma vidéo, que ce soit pas un peu trop le bazar. Euh, que penses-tu de la dernière vidéo de... Infinity Galactic qui affirme que Fedora est la nouvelle distro par défaut. Alors attends, je connais déjà pas Infinity Galactic. Alors, je vais lancer YouTube. Je sais pas qui c'est. C'est un français ou un. Pas français, peut-être, je sais pas. Infinity Galactic, ok, c'est pas un français. <laughs> Alors, pourquoi Fedora est. Un nouveau nul par défaut ouais, alors attends faudrait, euh, faudrait euh, approfondir ok 717 est ce qu'il a un faut que j'aille écouter la vidéo je sais pas ce qu'il dit je sais pas ce qu'il dit je vais garder la vidéo sous le coude euh, pour aller voir ce qu'il dit je sais pas je, je sais pas quoi te répondre à ça je sais pas de quoi te répondre à ça après c'est vrai que moi j'ai toujours parlé plus de Fedora que d'autres distributions que, que de base Ubuntu parce que j'ai toujours plutôt préféré euh, cette philosophie du monde Red Hat et des choses comme ça. C'est des produits qui vont toujours bien plus. Euh, L'exception à la règle est quand même Linux Mint qui est excellente. Après, euh, voilà, Ubuntu a vraiment démocratisé Linux. Ce qui... enfin, j ai... J ai... Moi j'ai découvert Linux avec Mandriva, mais il faut reconnaître que Ubuntu a fait un excellent travail de démocratisation des systèmes Linux en 2006 quand c'est arrivé avec une installation graphique, Enfin, pas des trucs euh, archaïques comme il y avait côté Red Hat. Donc ça, on leur... ne peut pas leur reprocher ça. Et, Et c'est vrai que moi bon, j'ai toujours un peu aimé euh, Fedora. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y, y, y a des moments où, euh, bah, quand il y a une sortie de Fedora, il suffit qu'il y ait un autre produit basé sur Fedora. Vous voyez, là, on parle beaucoup. Enfin, moi, je parle beaucoup de Red Hat. Il y a eu des nouvelles sorties. J'ai parlé d'Alma Linux quand il y a eu des choses. Donc, je suis très à mon de Red Hat. Donc, c'est sûr que s'il y a des personnes en France qui regardent. Euh, quelques chaînes YouTube, et qui regardent la mienne, ils vont dire, ah bah ouais, mais ça parle, ouais, Fedora, Red Hat, c'est à la mode, parce que vous n'allez pas beaucoup m'entendre parler de Debian, donc c'est sûr que si quelqu'un n'a en vidéo qu'une ou deux sources pour regarder, et que parmi ces sources, bah, je suis là, il va peut-être se dire, ah bah ouais, tiens, Red Hat, c'est à la mode, parce que moi j'en parle, et pas forcément d'autres. Et inversement, euh, si vous avez quelqu'un qui me regarde moi et Xavki en même temps, Xavki lui il est très euh, Ubuntu, très Debian. Vous prenez Christophe Casalegno aussi qui fait qui fait un peu de, de vidéos. Il est très Debian aussi. Donc c'est sûr que si vous regardez Xavki et Christophe Casalegno, un peu moins moi, vous allez vous dire bah Ubun, euh, Debian c'est à la mode bah, parce que vous allez forcément voir que du que du contenu qui est en rapport avec ça. Donc il n'y a pas de y a Enfin, pour moi, il n'y a pas de mode ou de choses comme ça. Fedora avance avec son temps. Fedora est un système qui innove, qui ajoute des, des nouvelles fonctionnalités, donc ça, euh, des nouvelles technologies. Donc ça fait parler, forcément. Et, et donc, bah, quand il y a des nouveaux trucs, bah, c'est mis en avant dans Fedora. Les, 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 les presses, enfin, les sites qui parlent de, de Linux en parlent peut-être un petit peu plus. Et donc ça la met euh, en avant. Parce que finalement. Il y a un moment donné, tout ce qui était plutôt basé sur euh, Debian, Ubuntu, avait le vent en poupe. Bon, là c'est vrai qu'on arrive en 2020... Enfin, je m'intéresse un peu moins aux actualités du monde Linux, ce qui se passe trop, et j'oriente vraiment mes recherches sur les points qui m'intéressent, notamment le monde Red Hat. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on est, depuis quelques années, dans un système qui bouge plus trop. Ça veut dire que les distributions sont stables, ça s'installe avec des suivants, suivants, enfin des outils super pratiques. Donc il n'y a plus trop d'évolution au niveau de l'installation euh, du système. Et les seules évolutions qui font parler d'elles en ce moment, c'est euh, Pipewire, Wayland, donc sur la partie son et, et vidéo, affichage. Et c'est vrai que Fedora, Red Hat mettent ça en avant assez souvent. La partie Debian et Ubuntu est un peu plus à la traîne. J'ai vu qu'Ubuntu 22.10 inclura euh, Pipewire par défaut, il me semble. Donc, vous voyez, ils prennent leur temps. Donc, forcément, bah, c'est d'autres distributions qui sont en avant parce que c'est elles qui, qui mettent en, en avant ces, ces nouvelles technologies qui sont à l'ordre du jour en 2022. Voilà, donc c'est un peu mon avis. Je, donc, je, je, je vais aller voir euh, et surtout écouter ce qui qu nous dit, lui. Mais euh, voilà, est-ce que c'est parce qu'il on en parle plus et voilà parce qu'après c'est vrai que Fedora a toujours été un petit peu plus en retrait hein, quand vous avez des, des distributions Linux quand on parle de distribution Linux qu'est-ce qui se passe ben ça parle de euh, ça parle de Ubuntu machin parce que c'est simple à utiliser etc Fedora est toujours resté un petit peu en arrière parce que bah euh, ben voilà, était un petit peu moins accessible donc vu qu'elle est un petit peu moins accessible les gens en parlaient un peu moins et se redispatcher un peu plus sur des, des distributions telles que Linux Mint, Ubuntu. Euh, J'allais dire la partie entre guillemets, je mets des guillemets parce que sinon on va me tuer, hein. euh, mais la partie Arch Linux a eu son moment d'intérêt euh, quand Manjaro est arrivé, a vraiment euh, simplifié l'installation d'Arch Linux. Alors si je dis ça, il y en a qui, oui, qui, vont, qui vont dire ⁇ Non mais Manjaro, c'est pas Arch Linux ⁇ mais vous avez compris l'idée, c'est que on a... Un système rolling release avec des logiciels récents tels qu'Arch Linux, qui est, qui est basé sur Arch Linux, qui a la même philosophie, les mêmes outils, la, la, la même origine. Et, et donc, voilà, le monde Arch a eu son, son moment de gloire avec Manjaro. Maintenant, Manjaro est mature. Euh, des outils qui permettent l'installation de, de logiciels, de mise à jour, de voilà, c'est bon, on a connu ça en 2017, 2018, 2019, c'est très bien, ça arrivait, c'était nouveau, le concept était nouveau, puis maintenant, bah, le concept, il, il fonctionne, quoi enfin, je prends une manjaro, je vais l'installer, ça marche, je vais euh, l'utiliser, ça va marcher, donc, Maintenant qu'elle a atteint une certaine stabilité, une certaine maturité, il n'y a plus de choses intéressantes à dire. Donc elle perd de la visibilité au profit d'autres distributions. Voilà. Donc pour moi, je pense que les effets de mode sont là juste par, euh, bah, par mode. Et, et après je pense pas que le nombre d'utilisateurs de Fedora ait grandement bougé. Euh, ces 4-5 dernières années, le problème c'est qu'on n'a pas de statistiques dans les distributions et après même si on peut avoir des statistiques sur les téléchargements des systèmes, on ne sait pas si c'est l'utilisation du système finalement qui, qui, qui dure dans le temps parce que là vous voyez, j'ai téléchargé Oracle Linux. Très bien. Je vais l'installer dans une machine virtuelle, il peut y avoir peut-être un mouchard qui va dire bah ouais c'est bon, il y a eu un téléchargement d'Oracle Linux. Ouais, mais c'est pas pour autant que je vais l'utiliser, c'est juste pour vous la montrer par exemple, cette distribution. Donc, c vous voyez, c'est les, les statistiques, on ne peut pas se baser sur les téléchargements. On peut... Le, la meilleure statistique, ce serait qu'à chaque fois qu'on a un, une, une installation, il y a un identifiant unique qui soit, euh, qui soit généré. Et il faudrait voir, euh, par exemple, sur les deux derniers mois, si, si cet euh, identifiant euh, unique a contacté les miroirs ou un, un centre de télémétrie. Mais ça, c'est contre. La liberté du système Linux. Donc, c'est difficile finalement d'avoir des statistiques puisque c'est un pistage. Et, et donc, euh, je pense que ceux qui ont installé une Debian font toujours cette chose qui, quand on a la question qui vous dit Voulez-vous activer la statistique des paquets vous cochez non. Quoi. Donc, forcément, on n'a pas de retour. Voilà, euh, j'ai été un peu long là-dessus. Mais hein. j'espère que j'ai été assez complet sur le, la vidéo. Hop. Et donc, Attends, je remonte. Elle était où la question sur la, la vidéo Elle était où la question Je sais même plus qui c'est qui a posé la question. Alors, en somme, on a parlé. Hop. Parce qu'entre-temps, ça a écrit. Bande passante, moi j'ai quitté. Okay. Je vais. Euh, je Donc, pour répondre à Philippe, s'il est toujours là, je vais pas parler de os build Composer parce que c'est pas du tout mon truc. Ça m'intéresse pas pour le moment, j'ai pas d'intérêt à aller voir, donc, euh... donc. voilà. Que dire de Wine Car avec Windows 11, des changements. Ce qui manque, des codecs pour des logiciels en ligne. De... Ah, j'ai pas compris la question, Christian. Serait-il possible de faire une vidéo installée Windows 11 sur Proxmox 7.2.3, je peux te le faire en live, c'est pas compliqué, je dois avoir l'ISO en plus de Windows 11. Non, je l'ai pas l'ISO, Windows 10, Enterprise, euh, Windows 11, tiens, elle est là. Et euh, j'ai Proxmox 7.2.3, je peux te la faire la vidéo. Enfin, je, je, vais, même, je vais même te le faire en live. Là. Après, oui, Fedora a quelques, quelques bugs, comme tout système évidemment. Alors, hop, tac-tac-tac. Focus Screen ne tourne pas sur Wayland. Ouais. Par contre, OBS fonctionne sur Wayland. No problemo. Alors, est-ce que tu es toujours là, Philippe, pour installer Windows 11 euh, C'était Philippe, comment Parce qu'il y a plusieurs Philippe sur le live. Philippe Van. LSB, c'est le Linux Standard Base. Linux Standard Base. En attendant que de voir si l'autre Philippe est toujours là. LSB, c'est euh, Linux standard base. LSB, euh, c'est pas une drogue. Hein. LSB. On va aller sur Wikipédia. C'est donc le Linux standard base. Voilà. Et c'est une standardisation. C'est une standardisation qui a voulu être... Ah mince. On va se mettre en français. Voilà. Euh, donc, c'est autoproclamé auto par Red Hat quand même, hein, le truc, je crois. Voilà, ils veulent en gros faire une sorte de standard, une un ensemble de bibliothèques standards, des commandes et des utilitaires standards, une hiérarchie de systèmes de fichiers qui soit vraiment sta enfin, standardisée à un truc, voilà. faire une, une norme pour Que ce soit pareil, quels que soient les euh, systèmes Linux, et donc ici euh, voilà. Et donc, tu vois, la Linux standard base ça spécifie que les paquets doivent être au format RPM. Donc, le standard de format de paquet selon LSB, c'est le format RPM qui a été inventé bien après le format Deb. Donc, forcément, Debian il dit ouais, bah parce que. LSB, je crois que il y, y a beaucoup Red Hat derrière. Donc tu vois déjà, on a des, des, des paquets différents, On a des, toutes des choses différentes, donc c'est compliqué. Mais voilà ce que, ce que la standard, Linux standard base, essaye de, de faire. Et après derrière, tu as une, tu as une commande LSB, LSB release. Par exemple, les Listeria qui t'affiche ici, euh, quelles que soient les distributions, euh, de la même forme euh, les informations sur ton système. Alors, je crois que l'autre Philippe est parti. Philippe, Philippe, Philippe. Attends, je me rappelle plus. Voilà, je vais pas m'amuser à prononcer le, le nom de famille. Ah si, il est toujours là. Parce que là, j'ai peur d'écorcher le nom de famille. Donc, regarde, on va se faire une petite VM, vite fait. Installer Windows 11. Donc je vais prendre. Euh, déjà, je vais arrêter ce système-là. Hop. Je vais afficher juste un truc. Non, il n'y a pas les guest agents. Donc je vais l'arrêter en mode. Voilà. Hop. Donc on va se faire la petite machine 901. Hein. Donc pour installer Windows 11. Facile. Win 11 test. Ok. Donc cette machine virtuelle. Ici, je vais charger l'ISO. Il y en a peut-être une nouvelle depuis. Hein. French Windows 11, ok. Là, dans Type de OS, tu mets bien Windows, parce que si tu laisses Linux, le contrôleur de disque qui va être choisi ne sera pas reconnu par Windows. Donc là, le fait de mettre Microsoft Windows va aller chercher automatiquement le bon contrôleur qui va bien, et tu choisis Windows 11 ici. Dans Système, tu vois là. Il sélectionne automatiquement une machine de type Q35 sinon tu vois si tu mets pas bien si tu mets Windows 10 je crois il est sur i440 et fixe donc là Q35 forcément qui dit Windows 11 dit UEFI donc là tu as l'UEFI. la case add EFI Disk est cochée. donc tu dois choisir un stockage qui va stocker le petit disque qui, qui sert à stocker les informations UEFI en Roll skis, ici ça te permet euh, d'activer le secure boot avec les clés, et tout ce qui va bien, donc ça c'est coché. Et tu ajoutes une puce TPM, donc là tu coches add TPM. Et ici, euh, pareil, on choisit un stockage pour stocker euh, le, 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 le petit espace, ce petit disque qui contient l'émulation TPM. Et ici, tu peux activer soit la version 1.2, soit 2.0 de TPM. Je vais regarder ce qui se passe quand on décoche ça, non, rien du tout. Voilà. Après, donc, sur les disques, il te choisit... Alors, je vais me mettre ici. Hein. Il choisit par défaut un truc en IDE. Alors, je trouve que c'est pas très performant, l'IDE. Tu peux te mettre en SATA, ça doit fonctionner aussi. On va mettre 120 Go de disque. Je vais émuler du SSD. Comme ça, le système, il aura l'impression d'être en SSD. Je vais cocher la case discard, mettre write back. Ça, c'est des choses que je fais systématiquement, mais bon... SSD, obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Au niveau du CPU, bon, bah, je vais en mettre deux, euh, quatre, pas grave. Ici, le type de CPU par défaut, c'est KVM 64. Donc, vu que moi, mon système, il a un i, mon UC il a un i, je sais plus quoi là. Je vais regarder si j'ai écrit ici. Il a un i5 8 e génération. Donc ça devrait passer puisque c'est un processeur supporté par Windows 10. Tu as un choix qui s'appelle host ici. Et donc là tu vas utiliser le même type de processeur que ton hôte, plutôt que d'émuler un. Plutôt que un KVM64 qui est écrit par défaut euh, là. Voilà. Donc là tu prends host, comme ça sera reconnu. Pas un processeur de type KVM euh, ou autre généré. Là, il, prend, il prendra vraiment euh, I, i5, ce que j'ai. Voilà. Au niveau de la mémoire, 4 gigas, c'est très bien. Et le réseau, je vais mettre sur mon réseau local, c'est très bien. Et là, par défaut, il me met une carte en Intel E1000. Je suis pas sûr qu'il y ait le pilote VMXNet 3. Puis de toute façon on est sur, on est sur Proxmox, hein, donc tu laisses E1000, il y a le pilote par défaut dans Windows. C'est parfait. Hop, donc voilà le résumé. Et normalement, et normalement, ça doit être bon. Alors je vais juste regarder un truc par contre, je vais juste regarder si j'ai assez de RAM sur la machine yeah. sans tout faire planter. Donc je reviens ici. Et donc avec ces paramétrages là, normalement, on est ok. Donc start now. J'aurais pu, euh... ouais, non c'est pas grave. Qu'est-ce qui m'a mis en en vidéo Ouais, m'a mis par défaut. Pilote vidéo, il est peut-être pas terrible. Alors, hop, attends, ce que je vais faire, je vais arrêter. En Hardware, Display Vidéo, je vais mettre VirGL64, comme ça, on aura un peu d'accélération vidéo. Hop. Donc là, quand tu démarres vite, il faut appuyer, tu sais, parce que le CD de Windows, il te demande d'appuyer sur une touche. Donc, il faut appuyer vite, sinon il ne démarre, il démarre pas sur le DVD et il cherche le réseau sur PXE. Voilà. Et donc là, ça va démarrer et on va pouvoir procéder à l'installation. Alors juste avant, moi je vais ruser sur un élément, dans le matériel, sur la carte réseau. Je vais déconnecter la carte réseau, ce qui m'évitera de... Alors je te remontre ici, je suis aller peut-être vite. Sur la carte réseau, tu coches la case Disconnect. Comme ça, tu pas de réseau. Et donc, quand tu vas arriver sur la création du compte... Quand tu vas arriver sur la création du compte, il va détecter qu'il n'y a pas de réseau, donc tu ne te connecteras pas avec un compte Microsoft, mais il te proposera la création d'un compte local. Voilà. Donc là, tu as l'outil d'install de Windows 11. Suivant. Installer maintenant. Je vais prendre le partitionnement par défaut. Je prends le partitionnement par défaut, hein. je ne cherche pas, donc là, je n'ai pas de clé produit. Donc forcément quand tu n'as pas de clé produit tu prends l'édition euh, qui va bien. Donc là je vais prendre professionnel. Hop. Donc ça c'est l'image de, de 2021. Hop. Personnalisé. Donc là, c'est de l'install Windows classique. L'installation part. Et donc tu vois, j'arrive bien à démarrer sur le DVD de Windows. Et puis... Euh... Et puis, on va voir que ça va fonctionner correctement. Non, non, je ne vais, vais pas me coucher. On va se coucher à 22h. Euh, tu as énormément de logiciels sur ta machine virtuelle. C'est uniquement pour le boulot ou pour nous. Tu les supprimes jamais. Alors là, dans Proxmox, tout ça, euh, tout ça, le temps que Windows s'installe, hein, regarde, je te refais un sommaire des machines virtuelles. Router, c'est la machine qui permet de faire... Les connexions entre mon réseau local et les deux VLAN que j'ai créés sur Proxmox. Ici, euh, si on va dans Network, tu vois, j'ai un, un VLAN 121 et 221. Toutes les machines qui sont en 100 quelque chose sont dans le VLAN 121. Toutes les machines qui sont en 200 quelque chose sont dans le VLAN 221. J'ai fait ça bien. Et donc ce routeur-là, logiciel, qui n'est ni plus ni moins. Euh, 4TC OS version, OS Release, voilà, qui n'est ni plus ni moins qu'une Alma Linux. C'est un routeur logiciel. Et donc, c'est lui qui s'occupe de faire le réseau. Alors, ensuite, là, toutes les machines en 100, 101, c'est le Windows Server avec un Active Directory. C'est pour la suite de vidéos informatiques dans le monde professionnel. Ça, c'est euh, Windows Server euh, qu'à installé, on verra plus tard. Ces machines-là, elles vont arriver, là, 151, 152... Euh, je vais les refaire euh, on installera de la supervision Zabix ce sera pour les vidéos GLPI ce sera pour la chaîne YouTube et là j'ai deux clients windows 10 pour mon, pour mon Active Directory ça c'est une machine euh, une fausse machine pour euh, séparer euh, comme il faut la liste là. tout ce qui est en 200 donc ça c'est mon petit labo pour vous faire des vidéos et là en 200 c'est euh, le domaine et, et tout pour faire des tests donc là c'est le truc que je pourris c'est mon petit truc de test et là c'est ma mini production entre guillemets voilà les machines en 500 ce sont les machines qui sont utilisées par moi euh, et qui sont sur le réseau local donc ça c'est mon serveur World of Warcraft qui ne fonctionne enfin euh, que je n'utilise plus euh, à la maison voilà je me suis éclaté un peu dans le jeu, mais ça fait un bon moment que, que je ne joue plus. CL Builder, c'est la machine qui permet de faire euh, les images ISO de la calculatrice Linux avec GNOME et euh, le rescue CD. Donc là, c'est une machine de production. FC-VDI, euh, c'est euh, une machine Fedora que j'utilise quand je suis à distance quand j'ai besoin de, de, de faire des trucs à la maison, de télécharger un truc. Euh, Ou euh, là, en l'occurrence, euh, vous allez voir ce qui tourne. C'est tout simplement euh, ma présence sur plusieurs euh, chaînes euh, Twitch. Voilà, pour, euh, pour faire la présence chez les, les personnes que j'aime bien. Voilà, donc c'est une machine que j'utilise euh, pour faire des tests, pour, euh, voilà, pour garder ma présence sur, euh, sur Twitch. Voilà. Euh, et puis quand, euh, ouais, quand je suis quand je suis à distance, dans, dans des endroits pas très euh, sécurs, je me connecte à distance sur cette machine là et puis euh, je surf sur internet depuis cette machine là. Les 631, 632, 633, 635, c'est des machines que j'ai créées pour vous, pour bientôt faire euh, une... pour voir un peu comment fonctionne euh, Proxmox pour essayer de faire des vidéos sur euh, bah, sur de la haute dispo avec Proxmox. Donc là il y a... C'est pas des 500, je les ai mises en 600. Et donc 631 à l'IP qui finit par 31, 632 à l'IP qui finit par 32, 633 par 33. Voilà. Et toutes les 900, toutes les 900 sont des machines que j'utilise pour vous faire des vidéos quand je veux vous montrer une distribution Linux, quand je veux faire un test. C'est mes machines jetables en gros. Hein. Euh, voilà, là il y, y a un test russe, vous verrez bientôt, j'en parlerai. Test Windows 11, donc là c'est une 900. Euh, ah, tiens, sympathique. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Ah, alors peut-être que mon ISO, elle est pas bonne. C'était ça le message que t'avais Je sais pas. Peut-être mon ISO, elle est, elle, est pas, elle est pas bonne. Je vais aller re l'ISO. CLDG, c'est une machine de test pour voir comment évolue euh, GNOME. Test F1, j'en parlerai un jour. Elle a installé. Pour faire une vidéo. Et puis euh, RHEL 8 tout neuf, c'était la, la machine virtuelle que j'avais faite pour euh, la vidéo d'upgrade de Red Hat 8 vers 9. Je l'ai gardé parce que je bricole dessus. Enfin, j'ai fait euh, deux trois trucs entre temps. Donc si on va dans hardware, tu vois, il y a, y a plein de disques, il y a des trucs. Donc euh, quitte à avoir une, une Red Hat un peu pourrie, euh, j'ai gardé celle-là pour faire 2 trois tests, 2-3 tutos euh, ici. Et donc tout ce qui est en 800 là, euh, qui n'existe pas, qui. Est apparu là, ce sont tous les templates donc euh, comme ça je, je fais des installs de temps en temps de machine, je les prépare et comme ça je veux une Fedora. Bah, comme vous avez vu dans la vidéo qui parlait de, de l'extension Burn My Windows, j'avais besoin d'une Fedora. Bah, plutôt que de réinstaller une Fedora, je me suis fait un template, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc là, j'ai juste à cloner et en gros, je veux une Fedora 36. Je fais clic droit clone, hop 902, je mets un truc, peu importe, hop voilà. Je fais un clone lié en plus, comme ça, ça me... Hop, c'est prêt. Et voilà. Et je lance une Fedora. J'ai une Fedora 36, telle qu'elle était la dernière fois. Elle marche. Je peux faire ma petite vidéo, mon petit test, je la supprime, et puis c'est bon. Voilà. Donc ça me permet d'avoir euh, des machines virtuelles rapidement à disposition. Donc là, ici, il y en a une Fedora, il y a un template Windows XP, il y a euh, la Gen2 euh, GNOME que j'ai utilisée dans une vidéo, je la garde en template au cas où, et puis j'ai une machine Alma Linux pour la déployer assez rapidement. Voilà. Et donc là, tu vois ma Fedora, elle est déjà installée. Quoi. Hop. Voilà. Donc j'ai ma Fedora qui est, qui est toute prête à l'emploi. Donc voilà dans le détail à quoi servent les machines virtuelles sur, euh, sur le Proxmox. Alors il est 21h39, on va aller récupérer vite fait l'image ISO de Windows 11. Je vais supprimer cette machine qui sert strictement à rien maintenant. C'était juste pour la démo. Hop, alors Windows 11 ISO. Hop, je vais aller récupérer donc download Windows 11. Donc, disque image, hop, multi-édition. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle hop. Choose one. French, confirme. Alors, copier l'adresse du lien. Je vais aller récupérer l'image. Toc. Hardware. Hop. Hop. Ouais. Je vais arrêter. Tant pis la machine. Je pense que mon image est verrouillée. Hein, parce que j'ai déjà fait une install de Windows 11 sans souci. Je me demande si j'avais pas fait une vidéo d'ailleurs, mais bon. Hop. Server fine. Qu'est-ce qui. Voilà. Oh Qu'est-ce qui me veut. J'ai bien arrêté la machine. Yes. Ok. Je vais aller supprimer l'iso. Hop, remove, yes. Download, tac. Ah ouais, V1, ok. Je récupère l'image. On va essayer de refaire, vite fait. Hop, rock. Alors, je remonte. Ok. Donc voilà, à midi je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc ouais, les, les machines virtuelles en 900, euh, elles sont créées, elles sont supprimées, elles sont créées, elles sont supprimées, elles sont, supprimées, elles sont créées, elles sont supprimées. Et donc, pour la petite anecdote, j'ai deux stockages. J'ai le local LVM et le local LVM2. Le local LVM, c'est un disque NVMe de 500 Go où il y a EProxmox installé qui bouffe un petit peu. Et le reste, c'est où j'ai mes machines virtuelles. Et dans les machines virtuelles, tu vas remarquer que j'ai que celles en 100, 200 et quelques 500. Là, celle-là, euh, FCVIDIA, il n'y avait pas dessus. Et le local LVM2, c'est un SSD de 256 Go, qui était mon ancien euh, SSD dans le PC, qui est de marque LDLC, qui a des performances euh, pas très bonnes en tant que SSD. J'ai mis un Samsung dans mon PC, et ce SSD euh, LDLC, qui n'est pas très performant, j'avais de la place dans le nuc, donc j'ai mis ce SSD SATA, j'ai mis du LVM dessus. Et puis, donc, dessus, je mets les templates parce que je n'ai pas besoin d'écrire euh, dessus. Et puis, après, toutes les machines, euh, là, pour le, pour le tuto Proxmox, je mets là. Comme ça, c'est du stockage euh, un peu moins performant. Et toutes les machines en 900, vu que je crée, je supprime, je crée, je supprime. Je fais des écritures sur ce SSD-là pour user plus celui-là que euh, le NVMe qui est dans la machine. Voilà, tu sais tout. C'est tout, mais tout est organisé dans la petite tête. Alors hop, attendez, on va faire un peu de ménage parce que j'ai pas de modérateur. Hop là, voilà. Hop, on va juste bannir tranquillement. Hop, la personne. Voilà. Et elle a signalé. C'est parfait. On est bon. On est bon. Voilà, hop, alors attends, je remonte pour reprendre les questions. Attends, je vais dire juste bonjour à Laurent qui arrive, à Cyriella qui arrive aussi. Les vidéos sur Unred. Mmh... Attends, j'ouvre mon panneau de notes de Vivaldi. Je vais aller sur YouTube vidéo à faire et je crois que Unred est dans la liste. Divers avis. Voilà, distribution Linux orientée. J'ai deux trucs à vous présenter, dont un où c'est marqué entre parenthèses. Regardez, Unraid OS. Donc, c'est est dans la liste des trucs à faire. C'est dans la liste des trucs à faire. Hop là, donc je reviens un petit peu en haut. Je vais voir si mon ISO elle était chargée. Non, pas encore. Presque fini. Hop. Alors, Zabbix vient d'être mise à jour, mais j'attends la prise en charge de la Red Hat Enterprise Linux 9. Euh, bah, le temps que, que j'entame je, la suite de vidéos, ça devrait, ça devrait arriver. Alors. Sous Windows 11 Pro, il faut prendre l'option Configurer pour une organisation, puis joindre un domaine et créer un compte local. Ok, d'accord. Merci de l'info. Oh, attends, j'ai vu un grand message de Christian. Je vais repartir rapidos sur l'image que je viens de télécharger de Windows 11. Alors, ISO. Puis pour éviter, d'ailleurs, si tu veux en savoir même plus, pour éviter de bouffer du stockage ici, euh, soit local de Proxmox, soit autre, le ISO, c'est un stockage de 125 Go, qui est une pauvre carte SD, puisque dans le nuque, il y a... Il y a il y a un emplacement pour carte SD et donc euh, j'ai mis une carte SD aussi une carte SD de euh, bas de gamme dedans qui fait 128 Go là c'est des c'est sand mais euh, pas les super performantes là les, les, les toutes, euh, toutes simples et donc juste pour stocker les ISO je mets les ISO dessus tu vois ça prend de la place et c'est du stockage pas cher donc je vais relancer l'install hop c'est c'est celle là Sandisk SD, c'est les euh, grises et rouges. Euh, image Sandisk micro SD, ah, ça vous explose les yeux, je suis d'accord. Voilà, celle-là, les extrêmes, euh, je les ai pour autre chose, elle fonctionne très bien. Et c'est une, une comme ça, mais en 128 euh, Go, elle 10 a 1. Donc ça écrit pas vite, ça lit pas vite. Mais c'est largement suffisant, ça coûte. Euh, je crois que j'ai dû la payer 10, je dire 10 francs, 10 balles. Et ça va très bien pour stocker les ISO. Et puis backup, bah c'est le HDD de, de 1 Tera. En USB 3. Pour le Proxmox Backup Server. Toc, voilà. Donc je vais relancer vite fait l'install du Windows 11. Là, hop, pour voir si c'était mon ISO qui avait un souci. Pour répondre correctement à la question de. Philippe, donc là forcément je vais supprimer tout ça. Supprimer OK. Supprimer OK. Tac, let's go. On va garder ça sous les yeux. Hop, et je vais répondre aux questions. Alors. Ah oui, Christian. Ah oui. Pour certains logiciels en ligne fonctionnant sur Windows, il n'y a pas les codecs pour que fonctionne le logiciel sous Linux. Utilisant un autre système comme... Ouais, j'ai eu le problème aussi avec Amazon Prime où, euh, quand il y avait Roland Garros, là, euh, il fallait des, des codecs spécifiques. Et quand tu es sous Linux, eh ben, ils ne les fournissent pas. Et tu les as que sous Windows. Et Pierrick Killy, as-tu entendu parler de desk Regarde, 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 regarde. C'est toujours là, Pierrick Salut à Laurent qui arrive. C'est toujours là, Pierrick, regarde. J'ouvre le menu de mon PC et regarde, regarde. Russdesk est là. J'ai commencé à regarder comment ça marche et je vous en ferai une vidéo. C'est prévu. Il est là, il est là, Resnesque. Et celui-là, je l'ai installé sur mon poste vraiment pour tester en condition réelle. Voilà, voilà. Hop, alors attends, entre-temps, il y a eu du monde qui est arrivé. Storms... Euh, je ne sais même plus si je, je, je t'ai dit bonjour. Salut à Richard qui arrive à EGANIM07. Egg... Euh, je teste une infra, ça marche plutôt bien. CEPH. Alors, euh, en toute honnêteté, ce genre de système de fichiers, ça m'intéresserait de regarder. J'ai beaucoup de choses à, à, à étudier en ce moment. Et vu qu'on n'en a pas pour le moment l'utilité au travail. J'ai pas encore regardé. Mais ça ne saurait tarder. Et tu vois, je pense que les tests PVE qui sont là, je rajouterai peut-être un petit disque, vu que Proxmox euh, sait utiliser CEF ou CEPH, ça dépend comment certains disent. Et je regarderai peut-être avec ces, ces machines virtuelles là. Après, j'ai vu que. Dans le même genre, il y avait GlusterFS. Euh, FS. J'avais commencé à regarder un petit peu les deux différents. Je, je voulais peut-être plus regarder GlusterFS euh, FS que CEFH, mais ouais, je n'ai pas envie de regarder les deux. J'ai envie d'étudier rapidement les deux pour voir sur lequel je vais m'intéresser. Voilà. Euh... Ah oui, tiens, c'est ça que je voulais vous dire en tout début de, de, de vidéo. Je... Laurent, ouais, tu prends le live en cours. Euh, on, a parlé de, on a parlé un petit peu du, de Proxmox Backup Server, je vous ai fait un petit retour. On a parlé des onglets dans Windows 10, dans Windows 11, dans l'explorateur le, de fichiers, ça va arriver. On a parlé de GNOME 43 et de la nouveauté de GNOME Web qui va supporter les extensions, web extensions. On a consommé un peu de mémoire sur une Red Pour parler de, des nouveautés de Linux Mint. Et puis, on a parlé un petit peu de Red Hat et de Thunderbird 102 qui pointe le petit bout de son nez. Voilà, un petit résumé vite fait. Euh... Alors, hop, OS qui pourrait être intéressant, mais c'est très particulier. J'ai déjà testé, mais une belle vidéo Linux qui serait passionnante. Mais il faut d'abord qu'elle te pèse quand même. Euh, KBS, où je. Non, c'est pas celle-là que j'en ai parlé. Je vais parler d'une autre. Je crois que Paro, c'est dans le même genre. Mais enfin, euh, faut se plonger dedans. faut se plonger dedans. Hop. Alors, il y a une petite demande d'aide entre un dual boot Windows 11 et Arch Linux. Alors là. Euh, je ne saurais pas trop t'aider là-dessus. Et donc, là là... Euh... Vessanoui, Alors, d'où je, je viens, c'est même. Euh... Juste avant que je prenne mon nouveau poste, on travaillait avec Rail, qui est euh, la solution hyper convergée de, de Dell, qui en gros c'est un VSAN qu'on ne voit pas. Mais, euh, voilà. Il y a toutes les surcouches de Dell et, et c'est plutôt simple à gérer. En hyper convergée, donc. Voilà, j'essaie de répondre à toutes vos questions. Euh, toc, salut à... ICT Lab. Je t'ai pas dit bonjour, en plus. Tu es membre, j'aurais dû ne pas te louper. Je préfère le C ou le C++ Aucun des deux, parce que je code pas. <laughs> C'est vite répondu, comme question. Question de nous, L'intérêt de Proxmox par rapport à Docker Salut, Alan. C'est pas le même usage. Je vais être très grossier et très résumé dans ce que je vais dire. Donc... Prenez pas euh, à la lettre ce que je dis. Proxmox c'est un hyperviseur, donc il te permet de créer des machines virtuelles, un peu comme VMware, un peu comme euh, VMware j'entends par là ESXi, un petit peu comme VMware que tu installes sur l'ordi ou euh, VirtualBox par exemple. Donc il te permet de faire des machines virtuelles. En parallèle, Proxmox, ici, c'est un autre bouton qui te permet de faire des conteneurs. Les conteneurs, c'est donc avec LXC. C'est avec LXC. Et donc, qui dit conteneur avec LXC, dit que là, ce n'est plus des machines virtuelles. Regarde, je vais te prendre ici. LXC. Je... Je... On va essayer de retrouver un schéma qui va te parler peut-être plus. Euh, hop voilà, LXC, il est pas mal celui-là. Voilà la différence entre donc de la virtualisation et des conteneurs. Quant à la virtualisation, donc tu as le serveur, il est là. Le serveur, il a un système. Donc dans le cas de Proxmox, c'est une Debian, et dans le cas de VMware, c'est une mini Red Hat. Ensuite, tu as l'hyperviseur, donc QMU KVM pour Proxmox. ESXI va la partie de VMware. Et ensuite, tu as tes machines virtuelles dans laquelle tu installes un système d'exploitation, Windows, Linux, peu importe la distribution, dans lequel tu as des programmes, dans lequel euh, tu fais fonctionner des applications. Les conteneurs avec LXC, tu as euh, toujours le serveur, il faut toujours matériel, tu as toujours le serveur. Dessus, tourne un système. Donc là, dans le cas de Proxmox, avec les conteneurs, c'est la Debian. Et après, tu as des conteneurs. Avec LXC, et donc ce conteneur contient uniquement des bibliothèques, des binaires et des applications. Donc tu vois, il y a la partie hyperviseur que tu as en moins et système invité. Ce qui fait que ici, on est avec Proxmox, c'est une, une base Debian. Hein. Si je vais ici, sur la console de Proxmox, je me connecte, je te fais un cat etc OS Release, tu vois, c'est Debian 11 qui est ici. Si je te fais un M-A, tu vas voir que c'est un noyau propre à Proxmox qui a des correctifs. Et donc là, c'est le noyau 5.15.30 PVE, hein, propre à Proxmox Virtual Environment. Ici, je vais dans mon conteneur. Tout à l'heure, j'ai lancé la commande 4 etc OS Release. Donc on voit que mon conteneur, c'est une... Alma Linux, c'est un système Alma Linux, mais si je fais un m a et là tu vas tout de suite comprendre le truc, c'est que le noyau que j'ai dans mon système Alma Linux, ce n'est pas le noyau d'Alma Linux, qui en version 8 est un noyau 4.18, mais c'est le noyau de Proxmox. Donc là, si tu veux, tu as la couche noyau du système invité en moins, plus l'enveloppe de la machine virtuelle en moins. Donc le conteneur t'enlève ici la couche. Hyperviseur, guest OS, Et donc, Docker, je te la fais vraiment en simplifié. C'est la même chose qu'un conteneur. Mais vu que c'est un conteneur d'application, tu as le serveur, le système hôte, une Debian par exemple, quand tu installes Docker sur Debian, et t'as pas les binaires librairies, t'as que l'app. Donc en gros, tu enlèves encore cette couche bleue foncé ici. Et donc Docker, c'est juste, on va dire, de manière très grossière un conteneur juste d'application là où lxc c'est un conteneur de système donc c'est encore plus léger je sais pas si je suis clair j'essaie de le faire très simple voilà. donc ici tu vois avec ah, on voit pas l'image elle est transparente mais tu as juste le l'outil docker qui va permettre de lancer les conteneurs et en gros c'est juste l'application qui est euh, virtualisée quoi euh, euh, voilà, c'est un peu un peu du rapide, mais euh, voilà, pour dire qu'à chaque fois on enlève une couche, quoi. Euh, je reviens sur mon Windows 11 là, Hop. il avait redémarré tout à l'heure. Hop, France, donc toi là, mon Windows 11, il est, euh, il est bien installé, hein. il est fonctionnel. Donc, euh, dans la config qu'on a vu ensemble, j'ai pas internet. Voilà, limité. Donc, votre nom, Adrien. Hop, pas de mot de passe, c'est très bien. Tac. Bon, normalement, il faut mettre nom hein, si on veut pas être pisté. Je m'en fiche, c'est une machine virtuelle. Hop, hop, hop. Et voilà, et mon Windows 11, il est installé. Donc, je récapépète pour Windows 11 création d'une machine virtuelle. Bien sélectionné dans l'OS Windows 11, ce qui va permettre de créer comme il faut les options du système. Obligatoire UEFI, machine de type Q35, stockage UEFI, pré enroll keys pour le Secure Boot, du TPM version 2 en choisissant le stockage. Donc, ça c'est important. Et dans les disques, par défaut il te propose de l'IDE, donc euh, mets-toi en en, en en SATA, ce sera mieux. Coche bien SSD émulation. Et dans la partie CPU, à privilégier, si ta machine en plus elle est récente, de prendre un CPU de type host, qui utilise donc le même CPU que l'autre. Et après, dans la partie réseau, bien prendre Intel E1000. Voilà. J'espère que ce mini tuto t'a plu. On pourra. On... Pff, ouais, je sais pas. Je pourrais peut-être en faire une vidéo dédiée. Au moins, je sais que mon ISO, maintenant, elle est bonne. Walou, Alors, pour en revenir à KBSOS, ça, ça se rapproche de Docker un peu. Tout est cloisonné pour une tâche précise. Yes, c'est vraiment un système euh, très cloisonné, très euh, bac à sablé. Alors, vous parlez de quoi Du bash Non, on parle pas du tout du bash, on parle. Ah ouais, parce que t'es arrivé sur quand, euh, quand je lançais des commandes. Non, non, on parle un petit peu de tout. Peu de tout. Je vous mettrai tous les liens dans le, dans le replay comme d'hab. Puis vous voyez, on a pris notre temps, mais il est 22h et. On a parlé de tous les sujets. J'ai essayé de répondre à, à toutes les questions. Ah, le, le Neo29 qui se réveille de la sieste. <laughs> Rustdesk, euh, si j'en parle, c'est euh, auto-hébergé, bien sûr héberger soi-même la partie serveur. Donc tu vois, c'est pour ça que je me, je me pose la question de comment je comment j'organise je, la vidéo. Qu'est-ce que je montre en premier, tu vois, est-ce que je montre comment ça marche, puis après je dis dans une autre vidéo, vous verrez comment on met en place le serveur, est-ce que je montre tout dans une vidéo, tu vois. C'est ça mon travail aussi, euh, quand je vous produis une vidéo, c'est de me dire bah, dans quel ordre je fais les choses, qu'est-ce que je vous montre, comment je vous les présente, tu vois, c'est ça un peu le, la difficulté que je rencontre. Voilà. Mais heureusement, qui est dans les tuyaux. Voilà. Et eh ben, on a un Windows 11 qui est parfaitement installé. Mais après, vu que j'ai déplacé mes images ISO il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai tout déplacé en masse sur euh, parce qu'avant les ISO, elles étaient sur un, sur un disque qui était euh, un peu euh, pas en très bon état et j'ai tout rapatrié sur la carte SD, mais je pense que ça a coincé. Donc là, elle est, elle est bien l'image. Je vais garder ça, copier l'adresse du lien. Je récupère récupérer ça. Data, cd, os, windows, tous les get. Hop. Tac, récupérer. Hop là, voilà. Tac. Voilà, hop, comme ça je la récupère pour moi aussi. Voilà, mais bon, on a répondu à peu près à toutes les questions là, dis donc. C'est pas mal, on a parlé de tout ce qu'on voulait. Je vous ai expliqué tout ce que j'avais à vous expliquer. C'est cool, on a échangé. Et, et ça, c'est bien sympa. Alors, euh, la question que je suis en train de me poser, c'est. Euh, la question que je suis en train de me poser, c'est on est le 6 juillet, le premier mercredi du mois d'août ce sera le 3 août. est-ce qu'on fait un live le 3 août ou pas? je ne sais pas encore. sachant que je serai en vacances. je serai en vacances. c'est pas prévu que je m'en aille cette semaine. mais je ne travaillerai pas toute la semaine. donc, euh, je ne sais, sais pas. je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas là. donc, je ne sais pas encore si je fais le, quelque chose au mois d'août l'année dernière. j'ai pas dû en faire au mois d'août. je ne sais pas. Je sais pas, je, je prends note de votre avis. Est Ce que vous pensez. Est-ce que le 3 août, on se fait un C'est quoi qui dit ou pas Dites-moi, à la limite. Je sais que tout le monde ne part pas en vacances, donc bon. Après, c'est sûr qu'un mercredi euh, au mois d'août, au milieu des vacances, s'il fait un temps magnifique, je pense que vous serez plus sur des terrasses de café, au restaurant, chez des amis, faire la fête que... que d'être... Euh, devant l'ordi à regarder un hein, c'est quoi qui dit je sais pas vous me dites euh, gabi22 top salut je crois que je t'ai pas vu encore tu utilises toujours des machines à toi dans tes vidéos Ou tu as un compte AWS non non c'est toujours des machines à moi hein. j'ai pas de compte AWS j'ai pas de compte azure euh, tout ce que je fais en vidéo c'est soit avec VMware là soit avec ce VMware là avec les machines qui sont là. Bien que celles-ci, euh, ce soit plutôt des machines que, que j'utilise dire pour faire des tests. Et encore, je les utilise quasiment plus. Je fais tout sur le, le NUC. L'Intel NUC qui est dans le meuble télé. Qui est équipé de, de Proxmox. Voilà, Un nœud Proxmox. Qui contient cette configuration-là. 32 Go de RAM. Euh... Une fois 500, allez, 450 Go et une fois 250 Go en stockage, avec un Intel Core i5 8259U. Pour être très précis, 4 coeurs, 8 threads à 2,3 GHz. Donc le jour où ce nuque euh, tombe en panne, et il bah, euh, faut que j'en rachète un. Quoi. Pour, pour remonter le, le Proxmox. Si le disque tombe en panne, il eh ben, faut que je refasse toute la conf. Donc il euh, faut déjà que je la sauvegarde, la conf. donc je regarde comment sauvegarder les fichiers euh, de Proxmox et surtout sur la partie réseau. Comme ça, après, j'ai juste à restaurer les machines qui m'intéressent. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit test là de prendre le disque de backup et peut-être de, de créer une machine Proxmox et puis essayer de, de remonter à un Proxmox. Bon, après, en partie réseau, j'ai pas fait grand chose. Hein. Dans la partie réseau, il y a juste euh, deux VLAN qui sont créés là. Mon interface, je connais son IP, hein, elle, est... elle est là. Et j'ai juste ça en roue. Hein. Ça, ça. Deux VLAN créés. Et après, en paramétrage, j'ai pas grand chose. Hein. Proxmox, il n'y a pas grand chose de paramétrer. J'ai mon stockage qui est là. J'ai pas de réplication, j'ai rien du tout. Donc. Euh... C'est pas très compliqué de remonter même un Proxmox euh, à la main. Voilà, hop. Je reviens. hop, À ce que vous me disiez. Ah oui, c'est la journée mondiale de quoi oh, J'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Oui, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y avait plus de dicton. J'ai dit qu'on partait sur des journées mondiales de quelque chose à chaque euh, date, mais euh, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais aller chercher. Je suis à la recherche d'un boîtier de disque dur externe. SSD ou NVMe, je suppose qu'il doit être UASP. Afin de ne pas endommager le port, je me disque. Que me conseille vous conseillez-vous Côté matos, je ne sais pas. Je... Pour les NVME, j'ai vu euh, les boîtiers, c'est le BINS parce que tu as deux normes. Tu as les NVME PCI, NVME SATA. Bon, j'avais je... essayé de regarder euh, à titre perso, j'avais rien compris. Donc je reste pour le moment pour le SATA. Je ne maîtrise pas la partie, euh... je maîtrise pas la partie, euh... la partie NVME externe. J'avais pas fait une vidéo, Attends, je vais regarder si j'avais fait une vidéo sur Windows 11. FoxMox introduit le support de Windows 11. Je vais regarder si on avait fait une install. On avait fait une install en plus. Si si j'avais fait l'install. Là ça vous pète les yeux. Hein. Si j'avais fait l'install. <laughs> je l'avais déjà fait. Bon bah je referai pas la vidéo. C'était déjà fait. Après, c'est vrai que le titre il est pas explicite. Hein. Parce qu'on voit pas que je fais une install de Windows 11. Hop là, j'étais ban du chat. Non, non, non t'as pas été ban. Si t'étais ban, euh, Zachary, tu pourrais pas écrire du tout. Donc euh, non, non. Il n'y a pas de... J'ai juste euh, envoyé pêtre quelqu'un euh, qui... un bot, quoi, c'est tout. On bosse tous l'été ici. Yeah. Salut Hamza Bienvenue Ok, 3 août. Je mettrai, je mettrai, de euh, toute façon je ferai, euh, bah comme là, hein, j'avais fait l'annonce. Donc je ferai l'annonce, je ne sais pas. Je, je vais voir euh, comment comment ça se passera. Tu maintiens toujours tes serveurs repos calculate Ouais, ouais. Regarde. Miroir calculate. Pff, je ne sais pas si en mettant ça. Euh, attends. Miroir. Point. LinuxTrix.fr. Euh, moi je fais... Euh, Quelqu'un qui m'a dit la dernière fois qu'il y avait un souci, mais le miroir, il est toujours là, miroirlinuxTrix.fr. Et si on regarde le timestamp, tu vois, là, la dernière mise à jour, 5... Il n'y a pas dû avoir de mise à jour depuis le 5 euh, juillet 2022. Donc non, non, il synchronise toujours régulièrement. Donc euh, RAS, hein. de ce côté-là, attends, jamais plus gros. Si jamais par contre il y, y a des soucis bah, euh, sur Telegram, hein, sur le groupe Calculate Telegram, ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un m'a dit je comprends pas, euh, j'arrive pas à mettre à jour mon système. Dans son paramétrage de Calculate, il avait juste laissé, euh, il avait juste laissé euh, mon miroir et c'est tout. Et euh, bah, vu qu'il n'était pas à jour, euh, il se passait rien. Donc euh, il y avait eu un petit bug de synchro. J'ai réglé le souci, mais après il est toujours là. Euh, la partie Calculate Linux. Gnome, elle est à jour. Je vous ai fait euh, récemment, enfin au mois d'avril, 28 avril, une image le 28 avril, rafraîchie. Je ne mets pas à jour régulièrement, mais euh, voilà. Ça, ça vit, il hein. n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Le miroir euh, est à jour. Ce n'est pas parce que j'utilise Gentoo Pure Souche que, que je ne maintiens plus la partie calculette et que je ne vous aide plus. Hein. Voilà. Hop, j'arrête le sujet sur la cyberrière. Ah, oh, on n'en a pas parlé de cyberrière. Je vais récupérer en direct. Ok. okay. Oula Alors j'ai pas le temps de voir ce que Chris a écrit. Le message est parti. Le temps que je descende le chat. C'est plus pratique que le PC dans la salle de bain. Ouais alors t'électrocute pas. Mon Windows. mon Windows est sous Hyper V et j'ai à côté une raide. Ok. à quoi une vidéo sur une bête de serveur multimédia. Ah oh, ta partie multimédia, c'est pas trop mon truc. Je pensais à des trucs comme Cody, là. C'est Cody, ça. C'est pas, pas trop mon, mon dada, le multimédia. Donc, je sais pas. Je sais pas. Si un jour tu as besoin de quelque chose de plus gros pour ta vertu, n'hésite pas, contacte-moi. Ok. Non, mais après, le... franchement, le nuque. J'en avais parlé rapido. Vous voyez, en est pas, on n'est pas couché. Hein. J'en avais parlé rapidement. Alors, à la base, je voulais. Euh... Ah, ouais, merde, il faut 4 quatre, euh, quatre lettres. Mmh. On va faire comme ça. Tac, voilà. À la base, j'avais acheté donc ce, ce nuque-là. C'était pour installer euh, VMware OS Je voulais faire vraiment des une série de vidéos informatiques dans le monde professionnel et, et montrer sur YouTube des choses qui ne sont pas forcément Linux, hein, mais euh, par rapport à des outils VMware qu'on retrouve dans le monde en, en entreprise, l'idée c'était vraiment de de montrer à ceux qui, qui, qui me regardent, qui travaillent pas forcément dans l'informatique ou qui, 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 voilà, qui montrent des petits trucs, des petits Proxmox, de montrer d'autres choses, montrer les outils. Et euh, finalement, euh, juste avec la version gratuite de VMware esxi on est assez limité. Ça, je le savais. Je voulais quand même vous faire des, une petite vidéo sur la partie euh, V-Center, euh, le, le temps de prendre une, une licence qui est valable 30 ou 60 jours. Je n'ai plus le temps de vous faire les vidéos. Et le problème de ça, euh, de la licence d'évaluation de 30 jours pour tout vous montrer, c'est que j'ai pas eu le temps dans les 30 jours de, de faire ce que je voulais. Je vous ai fait que la vidéo sur Vim. Et... Euh, et après, avec 32Go, enfin quand je l'avais acheté, je ne sais pas s'il y avait les 32. Je crois qu'il n'y avait que 16. Hein. Ouais, tiens, il n'y avait que 16 Go. J'ai rajouté 16 entre temps. Et, et le problème de, de ça, c'est que euh, juste pour essayer de monter un V Center, il me fallait euh, autant de RAM que la machine elle-même. Donc c'était compliqué de, euh, de monter quelque chose. Et donc je suis... Euh, euh, je suis reparti plus sur, euh, sur de l'OS, voilà, du, du Linux, des choses comme ça. Donc je suis parti sur Proxmox pour avoir toutes les fonctionnalités euh, pour, euh, pour vous montrer tout ça, mais dans, dans quelque chose de, de libre tel que Proxmox qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc euh, j'avais pris ce, ce NUC à la base. Voilà. Euh, Celui-là c'est l'I5, ouais, voilà. Donc euh, serveur de virtualisation avec 440 Go de data store. Donc c'est ce que j'ai euh, là avec Proxmox. 16 Go de RAM pour 406 euros. Entre temps, bah, j'ai. À mon avis, ça c'était quand C'était en 2020. Je pense que ça coûte encore plus cher maintenant. Mais j'ai rajouté 16 Go de RAM en plus et puis j'ai recyclé mon ancien SSD. Pour. Euh... Voilà. J'avais mis le port SATA me permettra d'augmenter le stockage si besoin avec un SSD. Bah, ça a été le cas. Et un deuxième emplacement de RAM pour passer à 32 Go. Ça a été le cas aussi. Voilà. Donc, je suis parti vraiment sur un outil de virtualisation qui répond aux, aux besoins de, de m'amuser et de vous montrer des trucs. quoi. Voilà. Après, euh, Proxmox, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du support. S'il y a du support entreprise, le prix que ça coûte, la qualité du support, je ne sais pas. Après, c'est vrai que le, le, plutôt le standard, c'est du VMware un peu partout. Et puis. Euh, le problème c'est quand vous avez des éditeurs des fois qui vous qui vous demandent des trucs spécifiques, bah ils vous demandent des trucs spécifiques quoi. Et puis ils vous disent bah ouais mais votre machine verte ah c'est pas même on on supporte pas. Voilà hop voilà, USB C et Proxmox sur ton écran, tu vas tester USB C, je crois que j'ai pas de port USB C dessus. J'ai que de l'USB 3.0, j'ai pas d'USB C. Donc, j'ai pas pu tester. Et Gabi. Gabi. Euh... Alors, je parle pas d'ARM sur la chaîne. J'ai toujours derrière la tête cette idée de. Attends, je cherche le nom. De Raspberry Pi. Mais bon. J'ai tellement envie de vous faire des choses, j'ai tellement envie de revenir sur les fondamentaux de Linux, j'ai tellement envie de vous faire des choses sur Red Hat que euh, ça semble compliqué. De, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai tellement de choses à vous, à envie, j'ai tellement envie de vous montrer des choses que, en gros, j'ai tellement envie de vous montrer des trucs que je sais pas par quel bout commencer et je sais plus quoi faire donc si en plus je me dis ah tiens faudrait que je m'intéresse un peu à, à raspberry pi et machin puis que je vous montre ci puis que je vous montre ça ça fait encore plus de choses et donc ça va encore moins avancer donc euh, j'essaye de, de mettre le curseur au, au bon endroit mais euh... Mais voilà, et, et, et ça fait, ça fait un, un bon moment que, que, que j'ai envie, rien que de vous parler des petites commandes de base, des petits machins, des trucs. Ça va arriver, mais voilà. Quand j'ai trop d'idées, je m'éparpille et je fais plus rien. Donc euh, voilà. Salut à Ismail Alors, peut-on ajouter 0 shell dans windows. Je sais pas ce que c'est 0 shell, donc je ne pourrais pas répondre à la question. Ouais, v Center, 16 giga pour être à l'aise. Je crois que c'est 12 giga hein, de mémoire, la config minimale, là, en tout petit. Hop, je galère. StandDS60, Hop, hop. Ils ont peur de Proxmox en entreprise. Ouais, non, mais après, voilà, c'est... Docker, j'en parlerai pas sur la chaîne. Il y a, en vrai, euh, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Je fais juste, euh, quand je forme, euh, la dernière fois que j'ai fait une formation euh, Linux, j'en ai parlé un petit peu. Je fais une introduction à Docker et ça s'arrête là parce que même moi, j'ai jamais eu l'occasion, dans un cas concret, de l'utiliser. Donc, j'ai pas plus approfondi la techno. J'en fais juste une intro, les concepts et comment ça fonctionne et deux trois petits trucs. Après, euh, franchement. Pour apprendre Docker, moi bon, je vous conseille un truc, c'est la chaîne de Xavki. Il a fait une super, euh, un, des super trucs sur Docker, sur l'automatisation, c'est là qu'il faut aller. Il a fait ça tellement bien que je ne vais même pas chercher à faire quelque chose parce que ce ne sera pas aussi bien que lui. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce n'est pas un truc qui m'intéresse, donc euh, autant ne pas faire. Mais euh, franchement, Xavki, il a fait des trucs géniaux sur Docker, faut y aller, et puis... Euh... Et puis voilà, j'ai rien à dire. Et même moi, quand j'ai appris Docker, je me suis servi de sa playlist pour justement enseigner Docker, comprendre les concepts. Et enfin, il a fait ça bien, quoi. Donc, je vais pas, euh, je vais pas faire deux fois. Enfin, je vais pas faire euh, le travail qu'il a fait. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Euh, Windows virtualisé sur Proxmox, ça fait bien tourner les jeux vidéo. Je sais pas. Après, euh, j'ai déjà supprimé ma machine, non. Après, tu vois, quand tu as une machine Windows, derrière le processeur graphique, bah, c'est celui-là. Alors, soit tu fais du graphique pass-through, donc en gros, euh, tu prends ta carte graphique. Euh, donc ici j'en ai pas hein, mais par exemple là hop toi tu prends PCI tu vas chercher ta carte graphique et tu utilises carrément la carte graphique euh, de ton autre Par exemple tu mets une carte Nvidia ou AMD puis après tu viens l'utiliser dans la machine ça doit fonctionner Mais euh, ou peut-être une autre bidouille Et là ça va être bon Mais tant que tu restes sur un affichage ici même VirGL euh, qui est quand même faut que je vous en parle dans une vidéo Vous voyez ça c'est un, un genre de truc j'ai noté qu'il faut que je vous en parle j'ai toujours pas fait mais là, Virgil permet d'avoir euh, une qualité audio euh, vidéo à peu près bien, mais c'est pas d'une fluidité extraordinaire. Alors là, j'ai pas installé les additions. Je vais le faire. Hop, Z Virtaio, tac, Virtaio Windows. Mais même en installant les, les additions, c'est pas euh l'affichage il est bien quoi mais Attends, je vais installer les, les tools là hop en tant qu'admin oui j'avais pas j'avais pas utilisé plus que ça windows 10 euh, windows 11 mais alors euh, le graphisme il est pas très joli hop. Je vais tout installé mais tu, tu pourras pas euh, tu pourras pas jouer enfin euh, ça reste de l'émulation vidéo quoi Non, ah, ça s'est mis de l'autre côté. Ok. Voilà, hop là, voilà. Ah non, on n'a pas encore le, le truc qui se réinitialise auto. Il est en train d'installer tout ça. Mais voilà, après avec les pilotes, tu as quelque chose de bien. Mais euh, tu vois, regarde ça, Le haut de la fenêtre, il, ah, il s'accale un peu. Donc euh, de là à avoir de la performance plus plus, je suis pas sûr. Hein. Ça reste de l'émulation. Hop. On va redémarrer vite fait. Tac. Voilà. Hop. Allez, je reviens. J'ai plus passer. pas sous. Ça marche très bien, mais il faut du NVIDIA à cause du Reset Bug. Ok, bon, bon. Bah, là, on a le retour. Qui est ici Quel Linux pour faire le portail captif Je dirais PFSense. Voilà. Alors, attends. Hop. Est-ce qu'il met le et peut-être pas démarrer tout mais toi là c'est joli le bienvenu qui tourne mais après euh, du jeu vidéo tu pas de bonne performance je sais pas si on peut récupérer un jeu vidéo gratuit là je sais pas si vous avez une idée d'un jeu vidéo gratuit juste pour voir les performances juste avec virgil mais c'est pas euh, c'est pas ouf quoi si vous avez le nom d'un jeu vidéo gratuit que je peux installer vite fait sur windows 11 Alors, paramètre d'affichage. Jamais utilisé Windows 11. Ça explose les yeux, là. Éclairage nocturne. Non, c'est pas ça. Il y a un thème sombre là-dessus ou pas Je sais pas. Personnalisation. Yeah. Thème sombre. Ah, ben voilà, ça c'est mieux. Je veux régler l'écran. Je sais pas comment on fait pour régler l'écran. Euh, système. Affichage, mise à l'échelle. 1920 par 1080. Ok, conservé. Voilà. Ok. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé plus que ça, Windows 11. Alors, hop. Ok. Ah oui, mais attendez. Ça va pas marcher. J'avais déconnecté la carte réseau tout à l'heure. Pour créer un compte local. Hop là Voilà. Ok. Allez hop sans vous connecter. Voilà. Donc ouais, si vous avez un jeu vidéo, on va aller les récupérer. Hop. Euh, alors, TED PFSense, euh, le solitaire. Ouais, non, non, un truc avec... Euh... faut que je regarde si les pilotes sont bien installés. Oui, alors attends, par contre... Euh... Gestionnaire de périphérique. On va aller voir ça. Et c'est là qui va m'ouvrir la vieille fenêtre qui date de ouais 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 de Windows 95, très bien, parfait. Ça ça n'a pas évolué, carte graphique Virtaio hein. Donc voilà, là on a bien le vieux GPU mais tu vois, regarde déjà si je déplace, toi c'est pas non plus super fluide. Alors, on va aller sur Clubic. Il n'y a pas un petit jeu vidéo là juste pour voir. C'était les sites sur lesquels j'allais il euh, y a très longtemps. Hop. Alors, tac. Accepté, on va voir pour jouer télécharger. Alors, est-ce qu'il ya jeu, je, jeu? jeu, je 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 jeux, jeu. divertissement, Trackmania, le texte, le test de DXDiag. C'est inclus par défaut. DXDiag, c'est des trucs de direct. Xin, hein. c'est vrai que ça, Windows, même en entreprise. On ne fait pas de jeux vidéo. Voulez-vous vérifier... Bien... Quoi Voulez-vous vérifier si vos pilotes sont signés numériquement Non, sans vous. Fabricant du système QMU. Après, je ne saurais pas forcément les interpréter. Vous voyez, certaines personnes euh, disent... Ouais, vous voyez, sous Linux... Euh active le thème sombre mais il y a des applications elles sont pas en sombre là j'ai activé le thème sombre ça c'est en clair hein. version direct x12 aucun problème détecté mmh. ouais je sais pas trop ce qu'on voit là dessus ça marche bien mais non il faudrait tester euh... faudrait tester euh... Tu peux passer ta carte graphique directe à ta. Ouais, je peux, mais euh, j'ai pas de carte graphique sur le nuque. J'ai qu'un truc intégré et je le... veux pas le faire. Euh... Sport, simulation, il oh, y a une petite, petite simulation juste pour voir. Oh, explain, non, on va éviter. On peut trier par truc gratuit, là. Le truc, c'est que je pourrais presque. Euh... Ah, si, attendez, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Regardez, on va tester ça direct. On va pas se casser la tête. Installer Steam. De toute façon, la VM, je vais la supprimer. Comme ça, au moins. Comme ça, tu vas voir ce que ça donne. On va lancer un jeu. Alors, pas Euro Truck Simulator 2, évidemment. Et c'est la, la première fois de ma vie que j'installe Steam sur Windows. Hein. Parce que moi, je n'ai je utilisé Steam que sous Linux. Jamais sous Windows. Donc, on va voir comment ça marche. Première fois de ma vie que j'installe Steam sous Windows. On est le 6 juillet 2022. Euh. Non, j'ai quelques jeux sous Windows, donc on va. Hop. Par contre, il va me demander forcément le. Il va me demander forcément le code. Oh là là. Et on est sur du SSD. Hein. Ah oui, puis j'ai pas mis de. mince ah, j'ai pas mis d'audio. J'ai pas mis d'audio. Audio device. Hop. Mais forcément ce sera pris en compte au prochain redémarrage. Je vais prendre un petit jeu pour que ça aille vite. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'un petit jeu simple fait en machine virtuelle. Mais à mon avis, ça rame, c'est sûr. Ok. Donc forcément, j'ai que des jeux qui sont compatibles euh... Linux. Hop. Alors attendez, on va quand même euh, vous éviter ça. Hop. Même si je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont amis avec moi sur Steam. Ah merde, c'est pas mon mot de passe. Ça. Voilà. Alors, j'ai reçu le code euh, du support. Ouais. Alors, hop, on va mettre le truc qui revient. Hop, hop, hop. Voilà. Suivant. Parce que vu que ça fait un bail que je me suis pas connecté sur Steam, sur une nouvelle machine, je ne sais plus quelles infos s'affichent à l'écran. Si on peut éviter de vous montrer mon adresse mail. Hop. Hop. Ok, c'est bon. On retourne ici. Tac. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc, Steam. On va essayer l'effort d'être 2. Oh, non. 13 giga On va éviter. Mini métro, c'est un petit jeu. Hein. Ça c'est quoi Installer 28 gigas. War Thunder, on va éviter, c'est trop gros. Euh... Le problème c'est que récupérer... Alors on va partir sur Audiosurf, c'est pas très gros. C'est un truc avec du... de la musique. On va faire ça. Puis, là, tonton, il est parti euh... Il est parti se coucher. Ouais. Hop là. Après il y a peut-être d'autres. Euh... Il y a peut-être d'autres. Euh... Il y a peut-être d'autres jeux gratos hein, que... qui sont en dispo là. Hop. téléchargement on va laisser euh, le truc téléchargé voici ouais, vite réglé hop solid works non, je pense pas alors toi qui vérifie je vous montre rapido ce audio surf je sais pas je sais pas si on en avait déjà parlé ensemble Mais Audio Surf, c'est juste un, un petit jeu de bien sympathique. Je, je sais pas s'il si, ouais, est encore là. Euh, on peut faire ça. #hashTop, hein. viens voir. Est-ce que j'ai assez de, de RAM Oui, ok, c'est bon. Euh, Audio Surf 2, c'est un petit jeu où vous chargez une piste. Voilà, vous chargez une piste euh, de musique et puis vous, c'est un puzzle musical. Donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est en vrai. Hop, Jouer, alors j'ai pas de musique forcément sur le Windows. Euh, sur le Windows, hein. ah bah ok, bon, il bah, faut installer les trucs. Je vais aller récupérer un morceau de musique en attendant. On est en mode euh, On est en mode tranquille. Alors, hop, audio, no De toute façon, vous entendrez pas le, la musique parce que j'ai coupé le son vu que j'écoute de la musique en, en parallèle dans le casque. Hop, je vais juste récupérer un, un MP3, c'est très bien. Hop, télécharger. Hop. Dingue. Adrien Tricks, s'il vous montre des trucs sur, euh, sur Windows, il faut y aller quoi. Alors, couper. Ah, c'est comme ça maintenant Ok, couper. Alors, attendez. Je crois que c'est la première fois que j'utilise Windows 11 euh, aussi longtemps. Coller. Yay. Yeah. Ok. Hop, je vais fermer ça. Prenez, prenez des photos. Ouais. Voir. Donc là, on est juste en mode CPU euh, virtualisé. Hein. Salut à 833D, le temps que ça charge, juste pour te dire que tes vidéos sont géniales. Merci pour tes explications, ton temps et tes contenus de qualité. Et pour ceux qui se lancent sur Linux, bonne continuation. Oh, C'était un petit euh, coucou éclair, mais de rien, on essaie de faire ça. On essaie de faire ça bien. Le GPU Pass-Through, en gros, c'est. Euh... Le GPU Pass-Through, c'est tu prends ta carte graphique, tu la connectes dans la machine virtuelle, et la machine virtuelle ne voit pas une carte graphique, processeur graphique virtualisé, mais il prend vraiment en compte bah, la machine elle-même. Enfin, le, le, la carte graphique qui est dans la machine elle-même, donc le vrai matériel. Mais en faisant ça, tu vois comme ça, wow, 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 wow. wow. Mais en prenant. En compte ça, ça veut dire que dès que la carte graphique est capturée dans la machine virtuelle, elle ne peut plus servir, elle ne peut pas servir à d'autres machines virtuelles ou à l'autre. Elle est capturée, elle est utilisée dans la VM uniquement. Hop là, voilà, on va prendre audio mais tu vois, vu, ça, 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 ça rame à fond la caisse. Est... Ah, j'aurais peut-être pu euh, autoriser le, j'aurais peut-être pu autoriser dans. Mettre dans Steam le, le, le nombre de FPS, là, je sais pas où c'est. Mais tu vois, derrière, rien que le, le truc là. Tu vois, la souris, elle, elle rame à fond, quoi. Hop, wow. Donc, toi non, là, c'est injouable. Sans faire du GPU, pas de tu vois, c'est injouable. Voilà, mais au moins, tu as la réponse. Tu la réponse. Hop, regarde, Tiens, on va démarrer. Regarde. Paramétrage par défaut, on n'a même pas la piste. Alors, Oh, il est bien le jeu, hein, Tu vois, donc ça ressemble pas du tout à ça le jeu, normalement. Voilà, donc ça. Tu vois, ça, ça marche pas du tout. Donc ça répond à la question. Hop. Donc là, il s'est rien passé, le jeu est complètement enfoiré, quoi. Et je pense qu'au niveau graphique, on est. On est, je sais pas comment. Euh, je sais pas graphique level low voilà tu vois je suis en low et ça rame derrière tu vois l'espèce d'effet là ça qui est derrière c'est pas terrible du tout voilà donc là le gpu pass through règle le, la question par contre je vais pas le faire là parce que je sais pas quel est l'impact de capturer le, le, le gpu de mon proxmox je sais pas du tout ce que ça va faire donc on va éviter les bêtises voilà bon et ben on est pas mal alors maintenant juste avant quand même de raccrocher il faut que j'aille trouver la journée de quoi c'est aujourd'hui. Parce que j'ai dit qu'on faisait à chaque fois journée mondiale. Les journées mondiales. Donc, on est le 6 juillet. Et le 6 juillet, vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'est la journée mondiale de quoi hum, Journée internationale du baiser. Voilà, je vous fais un petit baiser. Un petit bisou, vous savez, bisou comme les bisous des grands-mères. Oh ouais, oui hein. Ah bon, ok, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon on va dire n'importe quoi. Donc c'est la journée internationale du baiser en ces temps où le Covid reprend, c'est vraiment la, la bonne opportunité. Voilà. Voilà. Comme ça, vous, vous serez moins bête. Alors par contre, par contre, si demain, on est jeudi, donc demain, si vous voulez, épater les collègues de boulot. Je vous montre, demain, il n'y a pas de journée internationale, c'est hein. Il n'y a pas de journée. Ah mince. Alors il faudra attendre vendredi. Ce sera le National Video Game Day. Voilà. Journée nationale du jeu vidéo. Le 8 juillet. Voilà. Donc, comme ça. Euh, On arrive trop tard. On devrait faire les lives le matin. Comme ça, vous pourriez avoir la journée pour épater euh, la galerie en disant tiens. Hein. Le 3 juillet, c'était la journée mondiale des 100 sacs en plastique. Ouais, bon. bon, courage pour ça. Voilà, voilà, on a fait le tour, c'est bien. 2h38, donc vous voyez, à chaque fois, je me dis toujours à 2h, oh, on va peut-être pas, on va traiter tout en une heure. Bah oui, on a parlé, on a dû traiter en une heure et demie les sujets, puis on a parlé euh, pendant une heure de euh, bricole. Hein. Ouais. Voilà. Hop, je remonte vite fait le, le chat. J'ai dû répondre à toutes les questions. J'espère que j'ai zappé personne. J'espère que j'ai zappé personne. Dans tous les cas, le replay, comme d'hab, il arrive dans 5 minutes. Hein, le temps, de... Le temps de... de. Voilà, que ce soit traité par YouTube. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter cette machine-là, qu'on va supprimer euh, très rapidement, je pense. Elle est là, je vais la laisser là. Mais à mon avis, elle va disparaître dans pas longtemps. Euh... Donc, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, hop, de tout ce qu'on a parlé. Et puis, ah si Ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire en tout début de vidéo, que j'ai oublié 50 fois, je vous avais promis quelque chose. Je vous avais promis quelque chose euh, dans le C'est quoi qui dit 57. Je vous avais dit que je vous parlerais euh, de comment on déclare. Comment on déclare les revenus euh, YouTube, comment ça fonctionne derrière. J'ai enregistré la vidéo parce que j'ai fait ma déclaration pour le mois de mai euh, que je devais faire avant le 31, ju euh, 30 juin, n'y a pas 31 juin, avant le 30 juin. J'ai enregistré ça, je crois le 24 juin. La vidéo elle est prête, j'ai juste à monter tout ça, à masquer les informations personnelles et je vous mets ça en ligne prochainement. Comme ça vous allez voir comment ça se passe derrière, hein, parce que c'est des choses que je vous avais promis un petit moment. Donc c'est enregistré. C'est filmé, il n'y a plus qu'à monter et à mettre à dispo. Euh, ça va arriver euh, avant le 15. Euh, avant le 15. Euh, avant le 15 juillet, c'est sûr. En tout cas, moi je vous souhaite, si vous avez des vacances et qu'on ne se recroise pas avant le. Le 3 août, si on fait un live. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et euh, bien sûr, il y a certaines personnes. Que je recroiserai sur Twitch, notamment LDV. J'en rêve, je sais que vous passez. S'il y a peut-être notre ami euh, Tonio Blaster qui, qui, a pas, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure, s'il est encore là, je pense qu'on va le revoir un peu sur Twitch. Mais euh, voilà, en tout cas, dans les prochains trucs, juste avant de raccrocher, dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Celle qui est enregistrée et qui est juste à monter, c'est comment ça se passe euh, pour la déclaration des revenus euh, YouTube, comment ça fonctionne. Donc vous verrez les montants, il hein, n'y a rien à masquer de ce côté-là, je masquerai juste la partie euh, information personnelle, euh, notamment quand je me connecte à l'espace qui va bien, mon nom, etc. Bon, si, même si certains connaissent mon nom déjà. En tout cas, je masquerai les choses, c'est évident. Euh, par contre, la partie euh, montant, enfin, vous verrez comment ça se passe. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait au niveau de la mini comptabilité entre guillemets. Et puis, euh, et puis dans, les, dans les vidéos, donc la, la série de vidéos sur Red Hat va continuer. On va monter tout le socle d'une machine Red Hat de modèle, aller jusqu'au template. Et comme ça, on pourra redéployer ces machines Red Hat pour faire les vidéos sur Zabbix, sur GLPI, sur Nextcloud. On va ajouter du contenu, ce qui me permettra au passage de... de refaire, revalider les tutoriels qui sont sur Linux Trix, qui ont été faits sur une base Red Hat 8 ou Alma Linux 8, histoire de voir si ces tutos ont besoin d'une adaptation pour que ça fonctionne avec la version 9. Voilà! Donc, ça, c'est. Ça, c'est bon. Ouais, euh, j'en rêve. La modératrice, euh, en tout cas, Mlle Vega, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue ce soir. A mon avis, elle a fait d'autres choses. Donc, voilà. Euh... Donc, là, là, la playlist Red Hat, elle va, elle va continuer. Donc, avec les trucs essentiels qui ne sont pas forcément vus sur des dérivés tels que Alma Linux, Rocky Linux. Et puis après, on partira sur. Sur de la, la technique. Alors, je pense pas que je refasse une vidéo détaillée sur l'installation d'un serveur web. Peut-être la partie web, je la, ferai, euh... je la ferai en détail sur la première fois. Mais après, je compte euh, installer euh, euh, Zabbix, GLPI. Je ne compte pas mettre tout sur un seul serveur. Je compte faire une machine pour chacun. Donc, il n'y aura pas trop de notion de virtual host. Il n'y aura pas de notion de. Comment il s'appelle de l'aide sans crypte non plus mais j'avais fait ça euh, sur CentOS euh, j'avais fait la, la série sur euh, lampe en détail avec CentOS donc je pense pas que je la refasse sur Red Hat, quoi. Voilà. Mais euh mais euh, attends qu'est-ce qui qu qu dit un dvfr là Tu l'as tu... Ouais, OK. On, on en discutera en off je sais pas où il est toujours au fiat là mais enfin il vient pas souvent chez moi. Oui, il y a des gens sur Twitch, ils ont des noms à la con. Mais euh, ouais, ouais, sur, sur la partie Let's Encrypt, vous voyez, on n'a pas encore raccroché. Hein. Il y a des gens qui sont partis, mais euh, tant pis pour eux. On en a parlé... De, on, on en a parlé... Hop, attends, LinuxTrix. 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 Ah, c'est marrant, tiens, ce qui me sort quand je tape LinuxTrix. LinuxTrix, Sprungspunk, j'aime tout. Fedora, Snap, OpenSUSE. Donc ça, c'est probablement les recherches qui sont souvent faites par les autres personnes. Ah, c'est intéressant ça. J'en ai parlé, hop, dans les playlists. Elle est dans informatique. Euh... Je sais pas si elle était dans informatique dans le monde professionnel. Non. Hop. Non, c'est pas dedans. Alors c'est dans Actu Monde redat. Ah, C'était là-dedans que j'avais fait. Ici voilà. Cento S8, serveur Lamp, Partie 1, Partie 2, voilà. tout ça, là. toute cette série-là. Je ne sais même pas s'il y a de la vue, si ça a intéressé. Ça. Installer Apache, ouais non, ça n'a pas trop. C'est pour ça que sur, sur ce genre de trucs qui sont pas forcément très intéressantes, je préfère que ce soit des, des articles écrits, comme ça on copie-colle les commandes, on fait. Et puis... Euh, Peut-être les virtualos, ça a marché Non, même pas trop. Donc là, c'est vrai que pour certaines choses, je préfère l'écrit plutôt que la vidéo. Mais en tout cas, il y a eu cette partie-là. Donc en soi, euh, qu'on soit sur CentOS 8 ou Red Hat dans la partie Red Hat, Red Hat 9, là installer Apache, ce sera pareil, et ce Linux ce sera pareil, PHP ce sera pareil. Fichier de config ils sont au même endroit, mode SSL ça fonctionne pareil, changer de version de PHP avec les modules, c'est pareil, les virtual ça change pas, HTTPS c'est pareil, MariaDB c'est pareil, juste c'est pas la même version. Sauvegarder, restaurer les bases de données, c'est pareil. PHP MyAdmin, c'est pas un outil que j'utilise, mais à mon avis, c'est pareil. Let's Encrypt, c'est pareil. Donc tout ça, ça. Hein. Tout ça, ça. Tout ça, ce sera pareil. Donc ça sert à rien de leur faire, quoi. Hop là, voilà. Sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes paroles, sur ces bonnes paroles, je vais. Vous laissez, on aura fait presque 3 heures de live. Le replay il arrive donc dans 5 minutes. Je vous l'ai déjà dit, je vous mets tous les liens le temps que le replay est euh, traité. Et comme ça, si vous avez loupé le début, la fin, vous voulez revoir un truc, je ne mettrai pas le redatage hein, comme j'avais fait sur certains lives. Redécouper, revoir euh, les périodes de quoi on parlait. Je vous mettrai les liens et c'est parfait! Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera et qui parlera de Relate. Et euh, à plus et à très bientôt pour J'en rêve sur LDV sur que je recroiserai euh, bah, dimanche sur Twitch probablement. On se recroisera très vite! Allez, ciao ciao! Passez une bonne soirée! Bye bye!